Laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps de vous poser. Je vous laisse le temps de respirer. Je me laisse le temps d'accueillir les dernières personnes à vouloir rentrer. Et je me laisse aussi le temps de respirer. J'ai pensé à vous toute la journée. Je me suis replongée dans mon histoire. Je suis venue questionner mon évolution. Je suis venue me demander à moi, c'est quoi naître de soi pour n'être que soi? Ça dit quoi, Audrey, dans ton espace? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Qu'est-ce qui est tellement important pour toi? C'est quoi, Audrey? C'est toutes petites choses qui sont tellement évidentes. Tellement petites qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les voit plus. Alors ici et maintenant, je te demande de prendre le temps de respirer, de te poser, de te féliciter d'être là. Juste un temps pour accueillir que si tu es là, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu me suis sur les réseaux depuis un moment. Peut-être que tu es déjà dans un de mes parcours. Peut-être qu'on a déjà commencé un bout de chemin ensemble. Peut-être que tu as envie de commencer un bout de chemin avec moi. Peut-être que ça fait très longtemps que tu me lis et que tu dis, oh, moi aussi, je voudrais tellement. Peut-être que dans cet espace, il y a des jours où tu dis, oh, elle m'emmerde. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Non, moi, je crois que c'est pas possible. Ici et maintenant, qui que tu sois, quoi qu'il se passe dans ta vie, j'ai juste envie de te dire que tout est juste et parfait et que si tu es là, c'est pas par hasard. Alors respire et viens regarder dans ton espace. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Qu'est-ce qui fait que toi aussi, comme tellement de monde aujourd'hui sur cette planète, tu te demandes « mais qui je suis ?» Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui te déclenche? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui t'amène à cette question? Qu'est-ce qui fait que pour toi, peut-être aujourd'hui, c'est presque vital de trouver qui tu es? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as tellement envie d'être toi et tu sens que tu n'y arrives pas? C'est à tout ça que j'ai envie de contribuer ce soir. Qui que tu sois, quoi qu'il se passe dans ton espace, respire. Ici et maintenant, tout va bien. Et tout va bien aller. Je laisse les dernières personnes qui désirent entrer ou s'installer. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps de respiration. Et vraiment vous connecter à votre espace intérieur, sortir du mental, de votre journée, de votre contexte, de votre réalité. Juste être là, être présent, être avec nous dans cette belle énergie. Que tu sois avec moi ici en live, merci pour ta présence. Que tu en sois au moment du replay, ou que tu fasses un re-replay, peu importe, accorde-toi ce temps. Prends-le vraiment.
Ici et maintenant, je te souhaite la bienvenue, le bienvenu. Je suis hyper contente de t'accueillir dans cet espace, mais tellement, j'en tremble. Pas de peur, parce que pas pour la première fois non plus. Mais je suis tellement heureuse d'être là, d'être cette personne-là et de contribuer à cet élan-là. Je me suis sauvée la vie. J'accompagne des gens à se sauver la vie. Quelque part, je contribue à sauver des vies. Et comme beaucoup de personnes que j'accompagne, ben nous sommes là pour nous aider, nous accompagner, nous connaître, nous reconnaître et contribuer. Dans mes espaces, il n'y a personne qui a envie d'être là pour ne pas être utile. Ce n'est pas vrai. Alors, merci d'être là, merci d'être toi et merci de te chercher. Ou merci de continuer ton chemin et d'être toujours en quête d'un petit peu plus. Ce soir, j'ai tellement de choses à vous dire. Et c'est pour ça que j'y ai passé presque la journée. Moi qui prépare jamais rien, moi qui fais toujours en live, ben oui, j'ai préparé ce soir. J'ai préparé pour faire le tri, parce que je sais qu'il y en a qui effectivement vont avoir sommeil à un moment donné. Que moi, si j'ai sommeil parce que j'ai deux enfants mal et cinq nuits presque blanches à mon actif, c'est que prise dans l'énergie, avec votre énergie, je suis presque en mode illimité quand je suis comme ça et que je m'éclate et que je me régale parce que je sais qui je suis, parce que je me suis trouvée, parce que j'ai créé mon univers sur mesure et qu'ici et maintenant, pour moi, c'est un pur plaisir. Alors, ce qui va se jouer, c'est que tu vas t'autoriser à boire si tu as besoin de boire, à aller faire pipi si tu as envie de faire pipi, à manger si tu n'as pas encore mangé. Tu ne vas pas te dire « Ah oui, mais si elle me voit partir, ça ne va pas être poli ». Tu peux couper ta caméra si tu as besoin de quelques minutes. Tu peux te sentir à l'aise d'être juste toi. Tu peux respirer, te poser, t'installer. Tu peux prendre ton ordi, ton téléphone, te mettre sous la couette. Prendre ton truc chaud du doux si tu as besoin de confort. Tu prends le temps dont tu as besoin et puis tu te respectes dans le temps que tu vas t'accorder aussi. Si à un moment ça pique les yeux, si à un moment tu as envie juste de t'endormir bercé par ma voix, tu coupes la caméra si tu ne veux pas qu'on te regarde ronfler. Tu t'en vas, tu quittes l'espace si jamais tu as envie effectivement de dormir profondément et tu verras la fin en replay. Tu l'auras dans ta boîte mail, je pense, dès demain et tu n'auras rien raté. Ici et maintenant, tu te fous une paire royale. Puis si tu as envie de te barrer parce que ça t'énerve, ben, je t'invite à rester. Parce qu'il y a sûrement un truc qui pique dans ce que je vais dire et je serai sûrement au bon endroit. Peut-être cet endroit que tu n'as pas envie de visiter, mais qui est tellement nécessaire à explorer. Puis si tu sens que tu vis et que tu as tellement envie et que ça te monte les larmes, ben laisse les larmes couler. Laisse juste l'émotion te traverser. Laisse-la s'exprimer. Parce que peut-être que tu n'en as jamais eu l'occasion. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu en meurs d'envie, mais qu'aujourd'hui, dans ta réalité, tu ne trouves pas d'espace pour le faire. Ici, dans mon espace, dans notre espace, sens-toi libre d'être pleinement toi avec ce qui s'amène et ce qui s'invite. Alors, si tu as envie de t'endormir, ben tu pars. Mais si je t'allume complet, je t'assure que même si tu as hésité, parce que j'hésite à faire un chou doudou, un gros dodo, tu ne vas pas t'endormir. C'est parti. Tu es qui, toi? Si tu n'es pas tes étiquettes, si tu n'es pas ta carte d'identité, si tu n'es pas ce que l'on a dit de toi, si tu n'es pas ce que tu as cru de toi, si tu n'es pas ce que tu penses que l'on croit de toi, si tu enlèves tout ça, tu es qui, ici et maintenant? Et cette question, mais je suis qui? Mais je suis qui? Mais purée, je suis qui? Tu as peut-être mangé des livres à gogo, bouffé des capsules et des contenus à ne plus pouvoir les compter et puis tu n'as pas trouvé. Alors, je vais te dire une phrase qui, s'il y a 8 ans, on me l'avait donnée, je crois que la personne qui me l'aurait envoyée aurait bouffé ses dents. Tout est à l'intérieur de toi. Mon Dieu, quel énerve, tu l'as lu partout celle-là. Tu l'as vu et tu dis « Putain, d'accord, mais où à l'intérieur de moi? Comment je fais pour aller à l'intérieur de moi ?» Alors là, on te dit « Respire, tout est à l'intérieur de toi. » Tu t'énerves parce que forcément, ça ne suffit pas. Dans mes espaces,
Je peux plus le cacher. J'ai un profil atypique. Alors, atypique de quoi on parle ? On va faire court, HPI, HPE, zèbre, mouton à quatre pattes, bizarre, décalé, extravagante, trop, pas assez. Je suis un peu tout ça, un peu multi, un peu celle qui n'a pas envie de se définir parce que dès qu'elle trouve qu'elle se définit, elle a l'impression de se limiter. Et si elle se limite, elle s'enferme et du coup, elle a envie de déborder. Quand je parle aux êtres atypiques, il y a toujours cet espace où c'est dur. C'est dur d'être soi, c'est dur d'être pleinement soi. C'est dur de respirer, c'est dur de mettre off sur le cerveau. C'est dur de se trouver une seule et même définition, c'est dur de choisir un seul et même poste. Mais surtout, c'est dur de ne pas réussir à gérer ses émotions. Parce qu'après la période Covid, l'hypersensibilité qui a été mise au grand jour et largement commercialisée, tous ces programmes où on t'apprend à gérer tes émotions, toi tu entends, il faut que je continue à les camoufler. Il faut que je les cache un peu plus, un peu mieux, parce que mes émotions, c'est trop. Et dès que tu coupes tes émotions, que tu viens les étouffer au plus profond de ton être, boum, l'énergie se met tout en haut. Et là, tu commences à ruminer, à ruminer, à ruminer. Tu poses des questions dans un sens et puis dans l'autre, parce que c'est tellement plus drôle pour ce cerveau très agile qui a l'habitude de dire tout et son contraire dans un espace-temps très limité, mais qui t'envoie loin, très loin, dans un espace qui lui n'existe pas. Alors peut-être que ici et maintenant, je rigole parce que je me suis mis une petite bougie, j'avais envie d'une bougie et je viens de me cramer les poils. Ça aussi, c'est la vie. Ici et maintenant, tu es probablement cette personne qui est peut-être un peu stressée, un peu anxieuse, un peu voire beaucoup, un peu voire même très beaucoup, peut-être très très beaucoup, mais tu le caches très très bien parce que tu es un peu toujours très loin, très profondément, dans un espace qui, ici et maintenant, n'existe pas, avec des questions existentielles qui ne trouvent pas de réponse, autant que tu as la capacité d'être ici et maintenant, toutes les versions d'avant, jusqu'à ton enfance. Alors, dans tout ce merdier, bah oui, grosso merdo, c'est difficile de se définir, de savoir qui on est, et puis quand on commence à avoir trouvé ce qu'on n'est pas, finalement, on commence à dire « Ah non, toi, stop, tu m'énerves. Ah non, toi, je ne te veux plus. Non, là, maintenant, j'ai lu des livres et j'ai appris à dire non. Non. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à voir le vide se faire autour de toi puis tu commences à dire « Non, excusez-moi, je me suis trompée, je rattrape tout le monde. Je ne veux pas être seule, j'ai peur de la solitude parce que j'ai peur du vide. Ah » Et tu t'épuises. Et tu réatterris avec cette question « Mais qui suis-je ?» Alors, tu redémarres, tu avances, tu repars et puis de temps en temps sur les réseaux, tu captes Audrey et puis tu dis oh, « Mais ça a l'air tellement facile, mais j'aimerais tellement être comme elle. » Alors, tout ce que tu vois de moi est à l'intérieur de toi, le bon comme le pourri. L'autre n'est que notre miroir, quel qu'il soit, dans n'importe quel espace de notre vie. Tout ce que tu vois en moi est en toi. Là, le cerveau s'agite. Oui, mais non, quand même, physiquement, je ne ressemble pas. Et puis, je n'ai pas son aisance verbale. Et puis, moi, je démarre juste. Je ne suis pas coach comme elle. Et puis, de toute façon, je ne suis pas coach. Et puis, de toute façon, elle a des enfants, moi, je n'en ai pas. Et puis, moi, je suis encore salariée. Blague. Ta gueule, le cerveau. Avec bienveillance, évidemment. Avec beaucoup d'amour, évidemment. Mais juste là. Pause. Je vais commencer à parler à ton petit cerveau, ici et maintenant, parce que j'ai envie de t'aider. Autant que je laisse les dernières personnes arriver. Alors, je me suis fait une petite liste. Vous allez me voir baisser les yeux pour lire mes notes, parce que je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusée à préparer tout ça. Je suis partie de « Si on m'avait dit tout est en moi, respire Audrey ». Écoute-toi, ressens-toi, tout est à l'intérieur de toi. Il y a 8 ans, quand j'étais à la tête d'une famille recomposée de 7 personnes avec des jumeaux qui ne dormaient pas la nuit, un boulot à responsabilité de 40 heures par semaine, une relation toxique, un mec qui branle rien et un patron qui me fait chier, le premier qui me disait « Respire Audrey, tout est à l'intérieur de toi, tout est juste et parfait, tout va s'aligner et le grand plan de la vie est écrit pour toi. » Je lui aurais clairement pété les dents. Et à ce moment-là, clairement, si une Audrey s'est tentée sur mon chemin,
son cerveau qui lui aurait répondu. Qu'est-ce que mon cerveau a bien voulu lui raconter? Alors, Audrey, je t'aime beaucoup, hein, t'es rayonnante, pétillante, dynamique, j'aime beaucoup te suivre, mais des fois je décroche parce que je suis prise par le temps, par la vie, puis tu sais, hein, clairement, moi, dans ma famille, tout ça, ça fait un peu secte ton truc, et puis les coachs, je te le dis, c'est pas pour toi, hein, mais les coachs, c'est un peu l'arnaque quand même. Hein. Tu sais, tous ces programmes, j'en ai acheté, hein, j'ai fait déjà 12 méthodes, 3 astuces, 14 théories, mais j'y crois pas trop, c'est pas vraiment pour moi. Si tu me suis sur les réseaux depuis un petit moment, tu as la possibilité d'accéder à mon profil Facebook qui, je le sais, depuis hier, je suis allée chercher la plus ancienne photo de moi, remonte à 2017. Tu pourras découvrir dans mon espace, hein, si tu as vraiment du temps, pas forcément à perdre, mais de l'énergie en tout cas, que tout ce que je vais te dire ce soir de moi, de ma vie, de mes expériences, à un moment donné dans mon profil Facebook, tu vas voir que j'en raconte l'histoire, le détail. Tu vas aussi capter que je suis un être atypique, et puisque tu en es probablement un si je t'ai attiré, parce que ce sont pas atypiques, qu'on ne comprenne clairement rien à ce que je raconte. Donc, tu vas savoir que cette équation est nulle. Quand on est atypique, on ne peut pas mentir. Quand on est atypique, on ne peut pas mentir. C'est bien pour ça qu'on traite de bisounours. Ça, oui, mais tout il est beau, tout il est gentil, tout il est mignon. Quand on est atypique, on est bienveillant et empathique. Et tellement d'autres choses. Mais dans mon espace, en tout cas, tu pourras observer que je suis bienveillante et terriblement empathique. Mais parce que je ne sais pas mentir, je suis aussi des fois un peu cash et sans concession. Je ne te laisse pas tricher. Et je vois certaines des personnes que j'ai pu accompagner qui font « Ah oui !» Non, je mens pas. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, une méthode de tapis volant, de la poudre de perlimpinpin ou une farandole de corne de licorne. Ce n'est pas mon objectif parce que je sais que ça ne sert à rien. J'ai moi aussi consommé ce genre de programme. Ça m'a saoulé, ça m'a gazé, ça m'a appris que je n'étais pas équipée pour ça. Ça m'a appris que je n'étais pas équipée à réfléchir comme eux. Et donc, je me suis proposée de créer des espaces où je peux être pleinement moi, sans me cacher, et c'est un talent qui me ressemble pour vraiment les aider. Alors, tout ton petit cerveau qui se dit « Oui, mais les coachs, c'est de l'arnaque. De quoi on parle et de qui on parle ?» Tout ce qui va te dire « Ouais, mais quand même, c'est un peu du mensonge. » Donc, il va te jouer la scène de « J'ai pas le temps. » J'ai pas le temps de travailler sur moi, Audrey. Je voudrais tellement, hein, mais tu m'excuses. Là, j'ai pas le temps, tu comprends. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un conjoint, j'ai ma belle-mère, j'ai le chat de la voisine. Ok, j'ai juste envie de te dire une chose. Ici et maintenant, si tu as du temps pour aller mal, tu as aussi du temps pour aller bien. Mais c'est toi qui vas choisir à quoi tu as envie d'occuper ton temps. Donc après, tu vas me dire, j'ai pas d'argent. Deux options. La réalité. Parce que des fois, c'est une réalité. Et j'ai fait partie de ces femmes qui, à un moment donné, n'avaient pas l'argent d'investir dans des parcours. Alors, quand on n'a pas l'argent pour investir dans des parcours, on va aller s'accrocher à des personnes qui nous inspirent et qui proposent régulièrement du contenu. Tous les jours dans mes espaces, tu as un post sur Facebook. Sur ma chaîne YouTube, tu as plus de 200 questions vidéo. Tu as aussi un jeu de cartes. Et où il est ? Un livre. Oh, un livre. J'aime pas lire. Cerveau est coquin des fois. Un livre. Oh, en plus, il est vachement épais. Il y a plus de 300 pages. Non, non, moi, j'aime que les petites histoires tranquilles, les trucs où je m'échappe un peu. Oui, les trucs où tu ne vas pas regarder à l'intérieur de toi. Oui, mais j'ai déjà essayé les livres avec des méthodes et j'y arrive pas. Non, tu ne les suis pas. Alors, ce livre est un piège. Ce livre ne se lit pas. Ce livre, il se pioche. Tu pioches, tu as un message. Bam, que ça dans ta journée. Tu pioches, tu as un message. Oh, tu as même ma bouille en photo si tu as envie de te raccrocher à mon énergie. Tu pioches, tu as un message. C'est un jeu de questions. Amuse-toi. Ça, c'est abordable.
Là aussi, le parcours, fais-toi une belle journée. 31 capsules pour 33 euros. Ah, ben oui, mais bon, moi je suis désolée, hein, les contenus qui n'ont pas de valeur, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Non, 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 non. Je mets tous les jours beaucoup d'énergie dans ce que je partage. Je mets beaucoup d'énergie dans mes contenus vidéo. J'y mets tout mon être, toute mon âme, mes tripes et mes boyaux. C'est à chaque fois, à l'instant T, ce qui me parcourt, ce qui me traverse et ce qui me permet à moi d'avancer. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, je me propose des expériences, des choses, des pensées, des réflexions, des questions qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens? Quel que soit le message auquel tu connectes, que ce soit quelque chose de gratuit, de disponible, quelque chose de payant, ce qui va faire la différence, c'est la valeur que tu vas te donner et l'impression que tu vas y mettre. Tu peux bouffer tout ton livre une semaine, si tu n'en fais rien, ça n'aura effectivement pas de valeur ce livre. Par contre, si tu en fais concrètement quelque chose, alors tu vas, comme moi, il y a quelques années, commencer avec du contenu gratuit, au lieu de te dire « j'ai pas d'argent ». Et parce que je ne peux pas me payer un programme à 100 000 $, alors moi, j'y arriverai jamais. Non, tu commences à commencer. Et cette petite phrase, tu vas voir que ce soir, je vais te la répéter souvent. Tu commences à commencer avec qui tu es, ta réalité, ce que tu as et ce que tu peux. Tu fais juste de ton mieux. Mais tu commences à commencer. Donc, si tu n'as pas d'argent, il y a tout un tas de contenus gratuits. À partir du moment où tu ressens la personne ou tu es capté par son message, fonce, réfléchis pas. Prends, elle te donne. Accepte de recevoir et fais-en quelque chose. Après, il y a l'espace du mensonge. On y revient, le cerveau s'agite. Des fois, tu n'as pas d'argent alors que tu as de l'argent. Si c'est le cas, je t'invite juste à arrêter d'éparpiller ton argent dans tous ces espaces où tu compenses ton être pour te vendre un faux self, un faux semblant de bien-être. J'ai été cette femme qui n'avait pas d'argent pour aucun programme, mais qui achetait des sacs à main, du rouge à lèvres, des chaussures, des bijoux. Puis, oh, c'est pas raisonnable, hein. Mais je suis allée faire les soldes et j'ai trouvé que des produits qui n'étaient pas soldés. Je te demande juste de cumuler ton budget annuel de dépenses, aussi infime qu'il soit. Je te rappelle que mon parcours « Fais-toi une belle journée », c'est 33 euros. Me dis pas que tu n'as pas acheté 33 euros de cochonnerie dans ton année. Je t'assure que le parcours « Fais-toi une belle journée », si tu arrives à l'intégrer dans ton année, c'est volontaire. Moi, ça fait plus de 5 ans que je le pratique et je me le rappelle à l'ordre souvent. Donc, petit cerveau, mon ami, mon amour, les coachs et l'arnaque, fake. Atypisme et mensonge, zéro possibilité. T'as pas le temps? Le temps pourquoi? T'as pas d'argent? Fais effectuer ce que tu as. C'est dur. Oui, Audrey, bon, t'as raison. J'ai plus trop d'excuses, mais c'est dur. Ok, c'est dur. On va faire un petit jeu. C'est dur quoi? De quoi on parle? C'est dur. A. D'aller très très mal. C'est dur. D'aller mieux. C'est dur. D'aller beaucoup mieux. Ou c'est dur d'aller très bien. Grosso merdo, tu vas me répondre A, Audrey, d'aller très très mal. Mais je te rappelle que ton temps, tu peux le choisir à mal vivre ou à bien vivre. Alors c'est peut-être dur finalement de te proposer d'aller bien. Parce que se proposer d'aller bien mieux, ça veut dire changer des choses. Ce qui se raccorde à mon message, change quelque chose pour que quelque chose change. Et des fois, tu as vraiment envie d'aller bien, tu as vraiment envie d'aller mieux, mais tu ne veux rien changer. Alors, tu manges des livres, tu manges du contenu, tu dis que c'est nul, tu dis que c'est de la merde, t'en fais rien, et comme ça, tu es tranquille, il n'y a rien qui change. Tu es toujours dans ton caca, tu peux continuer à te plaindre et à te dire « oui, mais moi, je suis calimétro, oui, mais moi, je suis une victime, oui, mais c'est la faute de ma belle-mère, oui, mais le chat du voisin, oui, mais mon ex, oui, mais mon futur, oui, mais demain, oui, mais mon patron, oui, mais… » Ok. Ici et maintenant, si tu te sens concerné par ces mots, ne te juge pas et je t'accueille dans cet espace.
parce que moi aussi, j'ai été cette femme-là. Pendant 35 ans, je pense que j'en ai voulu à la terre entière. Tu te rends compte, c'était la faute à tout le monde. Tout le monde, il avait tort. Moi, j'avais raison, mon caca. Ça va, te juge pas. T'es pas là pour rien. Et puis, va venir te questionner ton petit cerveau avec bon, ok, je baisse les armes, Audrey. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'excuses. T'as démonté tous mes soi-disant problèmes. Mais j'ai quand même un petit doute, tu comprends, parce que j'ai pas les capacités. Je voudrais tellement venir à tes côtés, je me pose mille et une questions. Mais je sais pas, je vois les commentaires des filles qui te suivent et je me sens pas à la hauteur et. J'ai juste envie de te dire que si tu as les capacités pour faire de la merde et subir ta vie, tu as les capacités pour te réinventer et recréer ton espace. Et si tu te compares aux filles que j'accompagne et que tu as en expansion, en mieux-être, dis-toi que lorsqu'elles ont commencé, elles étaient pétées comme ça. La plupart se sont inscrites avec les larmes comme ça et le mascara qui coule. La plupart se sont dit, je clique, je m'inscris, après, oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais jamais y arriver. C'est normal. C'est juste normal d'avoir peur. C'est juste normal de douter de soi quand on a une mauvaise estime de soi. C'est juste normal d'être pété de trouille quand on manque de confiance. C'est juste normal de croire qu'on n'est pas capable quand le monde entier nous a servi qu'on était trop ou pas assez et donc jamais au bon endroit la bonne personne. Si tu te sens concernée, bien sûr que tu es bienvenue dans mon espace. Puis je vais te dire un secret. Tout ce que je viens de te dire, c'est encore valable pour moi aujourd'hui. Sur d'autres terrains de jeu, dans d'autres sphères. Mais ce qui t'arrive là, ça va se jouer tout le temps. Comme une boucle en permanence, comme un élan de vie, comme les quatre saisons. L'arbre, il a beau dire « Je suis tout à poil, j'ai froid en hiver. Oh, chouette, le printemps, des fruits, des bourgeons. » Et puis à l'automne, il va recommencer. « Merde, je perds encore mes feuilles, je me délaisse de quelques pois, mort un petit peu par-ci, par-là, et j'ai de nouveau froid en hiver. » On n'est pas plus fort que la nature. Ce qui t'arrive là aujourd'hui, ça va t'arriver encore plein de fois. Sauf qu'à te choisir, à naître de toi pour n'être que toi, tu vas beaucoup mieux le vivre. Et peut-être que tu auras le désir d'intégrer cette version que je propose au mois de novembre. Pourquoi au mois de novembre? Tout simplement parce que c'est l'énergie d'automne. C'est l'énergie où on va venir se délester de ces feuilles mortes, de ces boulets, de ces empreintes qu'on traîne. Et que jusque-là, probablement, si tu n'as pas pris ce soin-là, tu te retrouves en hiver dans ta grotte, bien emmitouflée, bien cachée, en train de te dire « j'aime pas l'hiver, c'est froid l'hiver, c'est pas confortable, et puis j'en ai marre, et puis je prends le temps du coup de regarder ma vie parce que je manque d'activité, et je m'ennuie, et je m'emmerde, et puis je peux pas sortir, et mon mari est chiant, et mes gamins sont infernaux, et pourquoi il pleut, et… » respire. Je t'assure qu'on peut passer un hiver tranquille. Je t'assure qu'on peut être confortable dans sa grotte. Je t'assure qu'on peut être confortable à l'intérieur de soi, même quand ça te paraît tout noir à l'extérieur. Même quand tu as peur, ça peut être confortable. Je t'assure que c'est vrai. Je t'assure que j'y croyais pas. J'y croyais pas il y a 8 ans. J'y croyais pas il y a 5 ans. Je commençais un peu mieux à y croire il y a 3 ans. Je l'expérimente vraiment depuis 2 ans. Aujourd'hui, je t'en parle parce que j'en suis convaincue. Parce que je suis atypique et que je mens pas, je peux te transmettre que ce que j'ai expérimenté, vérifié, validé, et alors je me sens légitime. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais... Chut, ta gueule, petit cerveau. Je sais que tu es là. Et l'idée, ce n'est pas de t'évincer, de te sortir de la course, parce que tu es puissant, parce que tu guides les actions de mon corps. Parce que tu es important. Mais j'ai juste envie de te dire que jusque-là, tu es programmé à faire de la merde. Je veux juste te proposer autre chose.
Je veux juste te proposer quelque chose de nouveau. Oui, nouveau, je sais, chut, je sais, ça te fait peur. Mais tout est sous ton contrôle. Il n'y a rien qui va t'échapper, il n'y a rien qui va te dépasser. Et puis même, je vais t'offrir la possibilité de choisir. Mais quand même, Audrey, tu sais, j'ai jamais réussi. Stop. Là, j'ai envie de te dire, sans concession, stop. Soit c'est une croyance, soit c'est un manque d'estime de toi, soit c'est une trop grande exigence à toi-même. Tu sais, ta petite quête de perfection, là, que tu montes. Ça va, fous-toi la paix. T'as réussi plein de choses. Et si ta vie, elle est si caca jusque-là, t'as au moins réussi à survivre. Ça, tu peux te le reconnaître. Et si tes parents étaient des terroristes, t'as réussi à survivre. Et si ton petit frère t'a arraché les cheveux en tapant à coudre dans les tibias, t'as réussi à survivre. T'as réussi à changer de métier plein de fois. T'as cru que t'allais mourir 10 000 fois. T'as revécu 100 fois. T'as changé plein de choses. Peut-être que juste ici et maintenant, t'es un nouveau changement, un nouvel élan où tu intègres que tous les processus de changement, toutes les dynamiques que tu as eues jusque-là, ben tu sais que si tu refais encore cette dynamique que tu connais si bien, ben non, ça va t'amener sur des terrains de jeu que tu connais déjà. Peut-être que tu as envie de changer quelque chose pour que quelque chose change. Et c'est OK. Je te propose de respirer. Ici et maintenant, qui je suis ? Alors moi, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, et même pour ceux qui me connaissent, je vais vous dire, je vais vous surprendre ce soir. J'ai ma petite fiche pour la lire. Je vous en ai parlé brièvement en story et dans quelques lives. Il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais plus, le temps passe trop vite. J'étais devant un formulaire qui me faisait chier. Pour un atelier, j'ai très envie de faire une conférence que j'ai vraiment envie d'animer. Ça me parle tellement. Le premier salon dédié à l'amour en Bretagne, les 14 et 15 octobre. Audrey, tu veux bien intervenir ? Oui ! D'accord, je t'envoie le formulaire d'inscription. D'accord ! Ces questions en haut. Peux-tu décrire ton entreprise ? Une page blanche de ligne. Oh my God ! Alors, j'ai pris le petit dossier et je l'ai mis de côté. J'ai dit, oui, bon, je sais ce que j'ai à dire, je me connais quand même maintenant. Je ferai ça vite fait. Un jour, 2 jours, 3 jours. C'est intéressant, Audrey. Et si tu regardais ton espace, qu'est-ce que ça dit de toi ? Ben, en fait, j'étais kébo sur la question. Il fallait que je décrive mon entreprise et je n'avais pas envie de décrire mon entreprise. Parce que mon entreprise ne me définit pas. Mon entreprise, c'est mon terrain de jeu. C'est l'espace dans lequel je suis. Ah, je me dis, c'est intéressant ça. C'est l'espace dans lequel je suis. Alors, si je n'ai pas envie de décrire mon entreprise, j'ai peut-être envie d'écrire « je suis ». Alors, sur la grande feuille blanche, avec mon petit stylo, j'ai écrit « je suis ». J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Et je me suis mise à écrire, sans jugement. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance, avec beaucoup d'amusement aussi, mais sans réfléchir. Et à la fin de la page, tu sais ce moment où en fait tu te dis cette grande page qui était tellement grande, waouh ! À la fin, elle est toute petite, sous la ligne, tu as un petit espace entre la dernière ligne et le bas de la page, et là tu essayes de caser encore 4 ou 5 lignes. J'en étais là. Et j'ai fini par mettre un point. Oh, je me suis dit, ça c'est fait. Et j'ai lu. Et j'ai pleuré. Et je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas canalisé la nouvelle version de moi ? Alors, je vais vous la lire, parce que bêtement, je ne la connais pas par cœur, parce que je ne me connais pas par cœur, parce que cette nouvelle version de moi, c'est des nouveaux mots qui se sont invités dans mon espace et que ça va me prendre du temps pour les intégrer, pour les assimiler, pour me reconnaître, pour les peaufiner, pour mieux les préciser. Et je te livre tout ça. Parce que quand tu cherches à répondre « qui je suis ?», essaye d'écrire grand, d'écrire large. Essaye de pas mettre de bord bien défini. Si tu sens que tu as envie d'écrire à la de la feuille, ben colle une autre feuille.
Puis t'as envie de mettre 6 feuilles, tu colles 6 feuilles. T'as envie de faire un dessin, t'as envie de mettre des mots, des couleurs. Fais comme ça devient en fait. Fais comme c'est bien pour toi, mais ne te limite pas. Je suis Audrey Prévost. Jusque-là, ce n'est pas une nouveauté, et ça aussi, c'est marqué sur ma carte d'identité. Je suis créatrice de liens et d'idées. Ça non plus, ce n'est pas nouveau. Ça fait 5 ans que je le dis, mais je ne savais pas pourquoi. Mais je savais que j'étais ça. La phrase s'est précisée. Je suis créatrice de liens et d'idées entre l'inconscient subi et le conscient désiré. Et tout ça, ça prend tout son sens dans ce qui se joue pour moi aujourd'hui, dans mes formations, dans ce que je me destine à être, y compris dans ce que je vais te livrer tout à l'heure comme clé de compréhension de ce qui vient bloquer ton espace. Tu sais, quand ça s'enclenche et il y a comme un bâton planté dans l'engrenage. Tu sens que c'est là, il faudrait aller un tout petit peu plus loin et ça coince. Et ça, depuis 4 ans maintenant que j'accompagne, je voyais bien ce petit truc-là. Mais je pouvais le pratiquer dès lors que je l'avais débloqué chez moi. Donc, j'ai commencé par moi. J'ai réussi. Je suis légitime. Et maintenant, je veux transmettre de cet espace-là. Je suis passionnée par les relations humaines. Ben oui, pour n'en avoir connu que des dévastatrices. Je savais que ce mot, il allait m'emmerder. Dévastatrice. Ouais, je sentais que dévastatrice, ça faisait beaucoup de... Ça faisait le bâton dans la roue. Bon, bref, t'as compris où je leur dis? Ouais, je t'ai vu, toi, en train de me dire, ouais, vas-y, redis-le. Dévastatrice. Bon, des relations de merde dans tous mes espaces. Dans tous mes espaces. Et dans tous ces espaces, toutes ces années, il me fallait comprendre pour survivre. Comprendre ce que l'on attendait de moi pour m'efforcer d'être parfaitement parfaite. Et puis comprendre pourquoi quand je faisais tout bien, ça n'allait toujours pas. Et pourquoi ils avaient changé d'avis. Puis pourquoi ils étaient plus amoureux. Et pourquoi ils disaient qu'ils étaient amoureux, mais qu'ils faisaient rien comme s'ils étaient amoureux. Mais pourquoi la maîtresse, elle dit que tout va bien alors qu'elle a l'air super énervée. Tu vois, je pourrais t'en raconter mes 4 milliards des histoires comme ça. Moi, je me suis passionnée pour ça. Et puis parce que quelque part sans ça, ça n'avait aucun sens pour moi. Si je ne mettais pas de sens dans la relation humaine, à quoi bon vivre, tout simplement. Bon, j'avais rempli 2 fois le processus sociétal tant attendu, de mariage, de divorce. 3 enfants de 2 papas différents, 2 maisons construites, 2 maisons vendues. Donc en gros, dans cet espace, j'ai fait mariage, enfant, maison. Pas le chien. Et par-dessus ce schéma, j'ai ajouté métro, boulot, dodo, dans l'attente de la retraite pour m'offrir un voyage à dos de baleine. Bon, je me suis fait chier, j'ai pas fait le bonheur. J'ai même pas compris dans quel espace le bonheur était présent pour ceux qui se disaient dans le bonheur, mais passaient leur dimanche à râler parce que demain c'était lundi, à gueuler après l'amour de leur vie qui les faisait tellement chier, à pester après qui, après leur patron, à qui ils répondaient même le dimanche. Il y avait plein de bugs dans le court-circuit. À 35 ans, c'est plus nouveau, peut-être pour qui me découvre ce soir, je fais un burn-out total de vie, un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, séravité apparente. J'ai fait 8 ans de développement personnel, de construction, de reconstruction, ce qui m'amène devant vous avec ce message qui s'est écrit lors du premier lancement de ma société il y a 5 ans, qui s'est écrit que j'ai dit, raconté, et que je ne savais pas pourquoi je racontais ça, puisque je ne le sentais pas à l'intérieur de moi. Entreprends ta vie avec qui tu es profondément. Quand j'ai écrit ça, cette phrase, elle m'a mis le watt de dingue. J'étais mais complètement allumée. Et j'étais en train de créer une société qui ne me ressemblait pas, dans laquelle je me suis épuisée, j'ai perdu 25 000 euros, j'ai mis la clé sous la porte et j'ai redémarré. Voilà, voilà, voilà.
Alors, entreprends ta vie avec qui tu es profondément. Ok, ça c'est cool. Mais du coup, mais qui je suis? Pour entreprendre ma vie avec qui je suis profondément, qui suis-je? Depuis 5 ans, j'accompagne des hommes et des femmes pour qui ce message résonne et parfois résonne un peu trop. Naître de soi pour n'être que soi. Cette phrase, je ne vais pas te l'expliquer. Je veux que tu la ressentes. Mais pour la ressentir, ton cerveau, gentil, mignon, coquin, il a besoin de comprendre 2-3 trucs. Parce que si tu lui proposes un changement et qu'il ne comprend pas le changement, si tu ne lui donnes pas du sens au changement, il ne va pas vouloir y aller. Parce que tu es unique, pour toi, je serai sur mesure. Ah, cette phrase, je l'ai tellement aimée. Et elle me va comme un gant. À l'époque, je disais, je suis coach, auteur, conférencière. Et puis, après, j'ai dit coach, mentor, auteur, conférencière. Et puis, j'ai dit coach, mentor, auteur, conférencière, créatrice d'espace d'immersion. Et je vais te dire coach, mentor, thérapeute, conférencière, auteur, créatrice d'espace et d'immersion. Voilà pourquoi je ne me définis jamais précisément, parce que si je me définis, je me limite. Si à 4 ans, quand j'ai lancé mon activité, je m'étais mise une étiquette bien précise, parce qu'il faut être précis pour se vendre, être authentique pour se vendre. Il faut être qui l'on est profondément. Que ce soit se vendre à un employeur, que ce soit se vendre à un client, que ce soit s'offrir à une relation professionnelle, personnelle, que ce soit en amitié ou en amour. Puisque tu ne veux pas être seule naturellement dans tous tes espaces, tu as à être en relation. Et c'est là où ça s'active, tes relations aux autres, l'autre qui te fait chier. Alors concrètement, là, sans concession, l'autre, il n'est pas né pour te faire chier. Il a vraiment autre chose à faire dans sa vie, il a ses propres emmerdes, il n'est pas là pour te faire chier. Par contre, peut-être que dans ce qu'il te propose, ça vient faire chier quelque chose chez toi. Et c'est là où naître de soi pour n'être que soi va prendre tout son sens. Dès lors que tu te choisis dans un espace pro-perso, en relation avec les autres, ces autres qui te font chier, qui t'emmerdent, parce qu'ils ne te comprennent pas et qu'ils ne nourrissent pas tes blessures et qu'ils ne te remplissent pas d'amour, qui ne satisfont pas tous tes besoins, ça veut dire que tous ces espaces à l'intérieur de toi sont vides et que ta qualité de relation aux autres sera bonne lorsque toi, tu seras complètement nourri dans ces espaces et que tu pourras te projeter dans une relation saine où tu n'attends rien de l'autre et où tu l'accueilles pour ce qu'il est, là où il en est, inconditionnellement, comme une valeur ajoutée dans ta vie. Ça ne veut pas dire être en capacité d'accueillir les personnes toxiques. Non. Un dromadaire est un dromadaire, un con est un con. À un moment donné, c'est non négociable. Donc, il y a aussi une quête d'estime de soi, de confiance en soi à travailler pour apprendre à faire la part des choses et arrêter d'être le bisounours sympathique qui pense que son bourreau, le pauvre, a besoin que je l'aide. Non. Non, 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 non. Alors, se révéler, rayonner, pétiller, être sa lumière, dans la lumière, porter la lumière. Et tous les messages qui sont suivis de « tout est à l'intérieur de toi ». Te révéler, être dans la lumière, ça veut dire regarder tes cacas, regarder tes ombres, regarder où ça coince. Je t'avais promis que je n'allais pas te vendre une méthode, 3 astuces, 14 clés et 24 cornes de licorne. Ce que je te vends, ce n'est pas sexy, ça ne fait pas plaisir. On n'a pas envie de ça. Mais je te rappelle, tu as de l'énergie pour aller mal ou pour aller bien. Tu as de l'énergie pour compenser avec ton chéquier ou investir sur toi avec ta carte bleue. Tu as de l'énergie pour prendre du temps pour aller mieux ou pour continuer à aller moins bien. Tu trouves que c'est dur d'être dans le caca
ou d'aller vers la lumière? Eh bien, à cette question-là, ça vous surprendra peut-être. Mais il y en a plein qui raisonnent, car ils ont peur de la lumière. Parce que les gens dans la lumière, c'est comme dit Frédéric Lenoir, c'est chiant, c'est emmerdant, les gens qui puent le bonheur, ceux qui rayonnent et qui pétillent, parce que ça fait partie que 10% de la population. Donc, quand on vit de sortir de ton caca et d'être dans la lumière avec ta lumière, de porter ta lumière ou de rayonner ta lumière, peu importe, tu n'as pas de modèle. Tu n'as pas été éduqué pour ça. Il n'y a pas vraiment d'enseignement. Tu ne sais pas où, par quoi commencer. Tu as peur de te tromper. Et parce que tu te proposes de sortir un petit peu de l'eau des 90% qui sont dans leur caca, tu as peur du regard des autres, du jugement, de la critique. T'as peur de le vouloir parce qu'il y en a qui sont là. Putain, mais je le sens, Audrey, je le sais, c'est là, mais. Ouais, mais si je me plante, ils vont tous se foutre de ma gueule. Eh ben, reste dans ton caca. Et c'est probablement ce que tu fais depuis très, très longtemps. Et ici, même si je mets beaucoup d'amour et je m'amuse de moi parce que cet après-midi, j'ai senti que j'étais avec la connerie ce soir et l'énergie de ce live est bizarre. Vraiment avec une bêtise plein d'histoires, ça n'empêche pas que s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, de compréhension pour toute la difficulté de ce que peut être, de ce qui joue pour toi aujourd'hui. Ne crois pas que parce que j'en rigole, j'aime la difficulté de mon parcours. Ne crois pas qu'à aucun moment, j'oublie comment j'en ai chié, comment j'ai cru que j'allais mourir parfois. Combien de fois j'ai pesté parce que c'était trop dur, le nombre de fois où j'en ai voulu la terre entière, le nombre de fois où j'ai fait machine arrière, le nombre de fois où je me suis promis cette fois j'allais y arriver et que je me suis plantée, le nombre de fois où j'ai été à l'affût du regard des autres, le nombre de fois où je me suis sentie sortir du canapé et dire cette fois c'est la bonne, j'ouvre ma porte et je vais crier au monde qui je suis. Tout le monde me regarde, excusez-moi de me présenter, de rien. D'ailleurs, je ferme la porte et je repars pleurer dans mon canapé. Ne sous-estime pas que la puissance que je peux envoyer aujourd'hui, le rayonnement, l'enthousiasme, la joie, la pétillance, ne soit pas une seule seconde à la hauteur de la dureté que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui est peut-être la tienne aujourd'hui. Et quand je te dis que ce que tu vois en moi existe en toi, je suis, oui, un peu quelque part, en train de te dire que tout est à l'intérieur de toi. Je regarde le temps qui passe et je m'amuse. Je viens de vous faire à peu près une page et demie sur les 14 pages que j'ai sous les mains. Ça va bien se passer. Non, rassure-toi, ça va. Tu vas aller vite sur la suite. Ah oui, mais pas trop vite, Audrey, quand même, on voudrait rien rater. Hein. Moi, je suis encore en forme, je voudrais tout écouter. Je te rappelle que tout est enregistré, à moins d'un gros problème de connexion. Si tu as envie de dormir, tu dors. Si tu as envie de boire, tu bois. Si tu veux faire une pause pipi, tu fais une pause pipi. Si tu veux t'allonger et regarder les arbres, je pense que je suis juste là, connectée avec ma main sur ton cœur. Ah, on respire, parce qu'ici, maintenant, tout va bien. Je vous parle de plein de caca, mais tout va bien. Oh oui, mais quand même, non, je t'assure qu'il y a des caca, il y en a plein. Ok. On a le choix, en fait. On a le choix, mais faire un choix, ce n'est pas facile. Prendre une décision, ce n'est pas facile. Aborder un changement, ce n'est pas facile. Alors là, on en vient à... Bon, elle va nous dire quand même comment on fait. T'es prêt? Prêt? Oh, oh. C'est dommage, j'ai pas un truc roulement de tambour. J'ai juste ma boule de cristal. Boule de cristal. Dis-moi si je dois leur donner le message tout de suite ou pas encore. En plus, j'ai un public. Je vois les... J'en vois une principalement. Aziza, je te vois rire depuis tout à l'heure, mais tu m'allumes complet. Bon, alors, le secret, c'est pas une baguette magique. Ok? Le secret, c'est pas ma boule de cristal non plus. Le secret, c'est pas non plus la petite bougie pour faire tes prières. Le secret, c'est pas le mouchoir que tu vas prendre pour faire toutes les larmes de ton corps. J'en ai du bordel sur mon bureau. Hein. Le secret, ce n'est pas le ciseau que tu vas utiliser pour couper cette page de la lunette et que tu dis après ça y est, c'est fini, c'est coupé. Non, ça aide tout ça. Ça contribue, ça participe.
Mais si tu te lèves demain matin en faisant tout comme d'habitude, il n'y a rien qui va changer. Donc, l'idée, c'est de commencer à commencer. Oui, mais quoi ? C'est quoi le secret ? Je viens de te le dire, tu ne t'es pas rendu compte. Commencer à commencer. C'est ça le secret. Commencer un tout petit peu. Arrêter, te foutre la paix avec ton « je suis ici maintenant et moi je voudrais ça ». Je ne décolle pas parce que j'ai trop peur de me tromper, de ce qu'on va dire de moi. Parce que si je fais ce grand saut et que je me trompe, tout le monde va le voir. J'aurai l'air ridicule, alors je reste coincée par là. Ah, ok, je recadre la caméra. Ici et maintenant, tu es là, tu veux ça, ok. Commencez à commencer. C'est ça. Juste, hop, la caméra elle est où ? Là. C'est juste ça, commencez à commencer. Et là, ton cerveau se réveille. Ah, ben c'est bon, hein. Moi, si j'ai pris ma soirée, mon temps, et couché mes enfants de bonne heure, et puis préparé ma tenue pour demain pour ne pas être en retard au travail, si c'est juste pour qu'on me dise que tout ce que j'ai à faire, ça représente ça, ça ne va pas changer ma vie. Ben si. Je suis désolée de te le dire, mais il va falloir commencer à commencer. Parce que si tu challenges ton cerveau avec des gros changements, des gros dossiers, avec beaucoup d'enjeux, la peur sera tellement grande qu'il est probable que tu passes toute ta vie à la désirer, à ne jamais la surmonter, à ne jamais pouvoir t'offrir le rêve de changer de terrain de jeu. Alors, soit tu restes kéblo, ici et maintenant, soit tu commences à commencer. Oui, mais je commence à commencer quoi ? Ben, ici et maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas derrière quelle porte tu es bloqué en mode bélier. Je suis bloquée. Alors, je vais acheter un livre, des cartes, Nanine. Ah, elle va parler de son livre. Ah, je vais prendre son livre. Oui, mais si tu n'en fais rien, rien qui va changer. Ici et maintenant, tout à l'heure, je te disais que tu n'es pas tes étiquettes, tu n'es pas ce que tu crois de toi, tu n'es pas ce que tu penses que l'on croit de toi, tu n'es pas qui tu as été, tu n'es pas ce que tu as fait, tu n'es pas ta fringue, tu n'es pas ton parfum, tu n'es pas ton canapé, tu n'es rien de tout ça. Ici et maintenant, tu es toi, mais à l'intérieur de toi, c'est peut-être tout enveloppé, tout. C'est peut-être comme un vase avec plein de cailloux, de la terre, de l'eau, qu'on touille comme ça, et du coup, tu vois tout flou, et c'est le bordel, et tu voudrais juste y voir clair, alors tu cours partout, tu fais des sauts de puce, tu changes. Tu dis, mais Audrey, moi, changer, je fais que ça. Oui, mais si tu ne mets pas de sens, en fait, si tu fais des sauts de puce comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu ne vas pas vers ta direction. Donc, respire, on va mettre juste un petit peu d'ordre là-dedans et je vais te proposer de considérer que ici et maintenant, tu es cette personne en questionnement, peut-être dans la douleur, peut-être dans la souffrance, peut-être avec des envies, des rêves, des désirs. Parce que j'accompagne aussi des gens qui vont très bien, faut pas croire. Moi, je vais très bien et je me fais accompagner quand même. On a le droit d'aller bien et de vouloir plus aussi, ça existe. Tu es cette personne qui stresse, qui angoisse, qui questionne, qui rumine, qui ressasse. Peut-être celle qui est débordée, peut-être cette personne qui est en burn-out total, qui en a par-dessus la tête, de la toux, qui ne sait plus quoi en faire. Peu importe qui tu es, ici et maintenant, dans cet espace, tu es l'ensemble de tout ça et tu es aussi la somme de qui tu as été avant ta naissance. In utero, dans le ventre de ta maman, au moment de ta naissance, dans les premières heures de ta vie. Dans les premiers jours de ta vie. Dans les premiers mois de ta vie. Dans tes 7 premières années d'éducation. Dans ton parcours scolaire. Dans tes premières amitiés, dans tes premiers départs, déménagements, changements, dans tes premiers échecs, dans tes premières bêtises, dans tes premières erreurs, face à ton premier deuil, face à ta première rupture, tes premiers jobs. Peut-être ta première démission, peut-être la première fois où tu t'es fait virer,
Peut-être la première fois où tu as tellement cru que tu allais être pris et que ça n'a pas été le cas. Peut-être la première fois où tu as lancé ta boîte et que tu t'es planté. Peut-être la première fois où tu as prêté de l'argent et que tu n'as jamais rendu. Peut-être le jour où tu t'es marié et que 25 ans après, tu te demandes encore pourquoi. Peut-être le jour où tu voulais cet enfant et puis ça ne s'est pas fait avec cet homme-là. Et puis celui d'après, ça ne s'est plus fait du tout. Peut-être cette personne que tu as aimée, que tu n'as pas su lui dire, que tu regrettes encore aujourd'hui. Peut-être ce geste que tu as fait, tu t'es pas reconnu, c'est passé. On est tellement voulu et depuis tu t'es jamais arrêté de culpabiliser. Peut-être cette fois où tu t'es fait agresser, tu n'as pas su dire merde, tu n'as pas su dire top et que tu crois que tu n'en seras jamais capable et tu as peur d'être agressé tout le temps. Peut-être ce secret que tu portes. Peut-être cette histoire de famille qu'on tait parce que c'est la honte. Peut-être cette petite personne, ce petit être qui voulait juste crier et dire « Ah, je suis là ! Je suis arrivée !» Et qui m'a dit « Chut ! Chut ! Calme-toi ! Moins de bruit ! D'accord, je fais pas de bruit, mais je cours partout ! Arrête-toi ! Reste là, bien assis sur ta chaise. Regarde les autres, ils sont sages. Fais comme tout le monde. Peut-être cette fois... Oh, j'ai pas aimé le cours, mais j'ai eu 10. Ouais, ben, en faisant un peu plus d'efforts, t'aurais pu avoir 12 ou 14. Oui, mais cette fois, j'ai eu 19. Ouais, ben, 19, c'est pas 20. Peut-être ce petit être qui regardait son père en disant... Oh, quel homme merveilleux! J'aime trop mon papa! Puis ton père a trompé ta mère et puis il s'est barré du jour au lendemain. Il t'a plus jamais appelé. T'es peut-être l'enfant de cette maman malade, dépressive. T'es peut-être cet aîné qui a géré une fratrie. Ici et maintenant, la liste, elle est tellement longue. J'avais pour habitude de partager mon expérience de vie, mais à force d'accompagner, toutes les expériences sont différentes, mais elles se ressemblent. Ici et maintenant, tu es aussi la somme de tous ces détails-là. Et parce que dans notre éducation, notre société, les 10% qui puent le bonheur, la joie et la pétillance et la réussite, ils ne sont pas les bienvenus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On se définit par tous ces cacas. On les porte, on les traîne, on les entraîne, ils nous retiennent, ils nous étouffent. On veut les chasser, les crier, on ne sait pas où, on sait faire. Et puis quand on se demande qui on est, si on n'est pas tous ces cacas, ben on ne sait pas, parce qu'on n'a peut-être jamais eu l'expérience, ou si on l'a eu une fois, on s'est fait fermer la bouche, et puis du coup, on n'ose plus le redevenir. Quand tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, je crois fort que tu as juste envie d'être toi en fait. Tu n'as pas besoin de te créer un univers professionnel, une nouvelle relation, une nouvelle amie, une meilleure posture vis-à-vis de tes parents. Tu n'as pas besoin de plaire à qui que ce soit. Tu as besoin d'être toi, tu as besoin de t'aimer. T'as besoin de te reconnaître, t'as besoin de te retrouver. T'as besoin de savoir qui tu es. Et puis, une fois que tu sais ça, et une fois que tu t'autorises à assumer qui tu es, déjà toi avec toi, et quand avec toi ça va mieux, ah, quand tu commences à sortir dans la rue avec le sourire et à dire « tu fais la gueule, je m'en fous !» Moi, je souris, je t'offre un sourire pour que tu ailles mieux aujourd'hui. Ben là, tu commences un peu à t'en foutre du regard des autres. Puis du coup, tu commences à oser des trucs que tu n'avais pas l'habitude d'oser. Tu commences à expérimenter de plus en plus grand. Puis tu te rends compte qu'avec cette énergie, en fait, ça te réussit. Puis quand tu te trompes, tu te souviens d'Audrey qui disait « Hé, ça va, tu as essayé, tu as commencé par commencer. » Et alors,
Tu t'es trompé, c'est pas grave. Quand on monte une marche, on se fait pas une entorse en descendant une marche. Et puis quand on descend qu'une marche, personne ne le voit la plupart du temps. Tu sais ce nombre de fois où tu t'es promené un peu la tête en l'air sur le trottoir, où ton pied il a ripé au bord du trottoir dans le caniveau. J'ai dit, oh putain, personne ne m'a vu, personne ne m'a vu. Les gens, ils sont trop occupés de ceux qui montent et descendent une marche. Alors quand tu commences à expérimenter, à réussir, à rire de toi, quand tu te trompes, bah, naturellement, tu commences à avoir un peu plus confiance en toi, puis à oser plus grand, tu crois arriver plus grand. Puis un jour, tu regardes Audrey, puis tu dis, ah, mais je comprends mieux pourquoi cette nana-là, il y a 8 ans, elle fait un burn-out total de vie. Il y a 5 ans, elle plante la première boîte de toute sa vie au chômage avec 3 enfants dans sa maison sur le dos. Et elle continue à rêver grand. Et même qu'un jour, elle nous a dit qu'elle voulait être sur une scène internationale. Bah, tu sais quoi, Gertrude, hein, 3 ans après, elle a réussi cette chipie. Hein. Bah, j'y croyais pas pourtant. Hein. Bon, j'avais un peu confiance en elle quand même. Hein. Je t'assure qu'il y a 3 ans, j'aurais pas misé un franc sur moi en train de te dire ça aujourd'hui. Mais en 3 ans, il s'en est passé des choses. En 3 ans, j'ai expérimenté plein. Et aujourd'hui, je te raconte ça. Et puis demain, je serai peut-être dans le Larzac avec des brebis, j'en sais rien. Du moment que ça me rend heureuse et que ça me fait du bien. Je m'en fous pas mal, finalement. C'est soit... Rigole, j'ai... Non, on dirait les camps. Non, non, non. Les vamps. Mais merci. J'aime beaucoup. Et c'est très intéressant. Parce que quand je les regardais, je les aimais pas. Je sais pourquoi. Parce qu'il y avait ça en moi et que j'arrivais pas à le sortir. Tu vois ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a quelqu'un qui nous chie, c'est qu'il y a une part de vérité et que ma face dans le miroir, c'était pas très confortable. La première fois que j'ai vu Blanche Gardin, j'ai dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire celle-là » et maintenant je suis la première à dire « Putain, dans mes lives. » Oh, et puis qu'est-ce qu'elle est cache en plus, Blanche Gardin ? Elle dit toute la vérité, comme ça, sans concession. Oh non, c'est trop vulgaire, j'irai pas la voir en spectacle. Putain, mais demain, je tuerai pour discuter avec elle. Fous-toi la paix. Sens-toi à l'aise ici d'être comme chez McDo. Tu viens comme t'es, avec ce que t'as. Tu te fous la paix et puis tu te mets pas la pression à devenir quelqu'un. Essaye d'être juste toi ici et maintenant, c'est déjà bien. Et quand tout est à l'intérieur de toi, ben c'est juste ça. Déjà, calme-toi. Arrête de courir partout. D'essayer d'être quelque part quelqu'un. J'en ai plein. Ils commencent une école, je sais pas, naturopathe. Je vise personne. Hein. Je dis ça comme ostéopathe ou je sais pas, pédicure, l'onglerie, ça marche aussi. Alors, ben moi, je suis ça. Alors, je suis en formation. Hein, je débute, hein, mais c'est le projet toute une vie. J'ai toujours adoré. Oui, mais je suis la seule extraterrestre qui s'inscrit à une école de coaching et qui, il y a 5 ans, quand elle sort avec son certificat qu'elle ne voulait pas, c'est comme le bac chez moi, mais les diplômes, j'en veux pas. J'ai l'impression qu'ils vont me limiter, vont me contraindre. Moi, je sors de l'école de coaching et je ne veux pas être coach. Désolée, excusez-moi, pas pour moi, je passais par là. Et ça m'a fait du bien, j'ai adoré l'expérience, mais je ne veux pas être coach. Eh ben, un peu quand même, hein, finalement. On ne choisit pas toujours son destin et il y a tous ces espaces aussi où on nous dit qu'on a une mission de vie. Et je crois fort que la mission de vie, elle est en relation avec notre expérience de vie. Et je crois fort qu'aujourd'hui, on ne peut transmettre que ce que l'on a expérimenté, transcendé. Pour étudier quelque chose qui m'intéresse. Je pense qu'on est plus légitime de son expérience de vie que ses diplômes. Ça suffit. Là, ici et maintenant, Christelle, parce que vous êtes nombreux. Voilà, je coupe. Le micro de Christelle qui parle de c'est qui en train de dire pas de soucis. Ouh là là, vous tout nombreux, ça, j'avais même pas fait attention. Merci, ça met la pression. Non, pas du tout. Je suis trop taquée. Alors, tu comprends que je voulais être coach parce que pour moi, les coachs, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ouais, je te prends ici, je t'emmène là-bas, on va y aller ensemble. Ouais, j'ai une méthode, j'ai des astuces. Et je ne critique pas parce que moi, j'ai des coachs pour moi-même et je sais les choisir dans certains espaces parce qu'effectivement, je les reconnais pertinents dans cet art-là et c'est totalement OK. Si tu veux une méthode, tu n'as pas eu besoin d'Audrey Prévost. Si tu ne veux pas de méthode, tu peux peut-être écouter Audrey Prévost encore un tout petit peu et lutter contre le sommeil. Il y a le coaching et puis il y a la thérapie.
Ah ouais, non, c'est bon, me parle pas de thérapie. Moi, c'est bon, j'ai fait 15 ans de psy, où j'ai changé 10 fois de psy, ils m'ont jamais servi à rien. Ouais, je comprends. Je comprends. J'ai moi-même vécu cette expérience assez dévastatrice où bon, allez, je me prends en main, tu prends ton courage, tu appelles quelqu'un, tu prends le temps de choisir dans le bottin, non, pas ce prénom, ça résonne pas bien. Et puis ce nom, ah non, bah, cette adresse-là dans ce quartier-là, non, je le sens pas, non, non. Ah, puis lui, il me l'a conseillé, il avait l'air pas mal. Ouais, mais il le connaît, alors en fait, eh ben, il pourrait peut-être dire, raconter, je sais pas, si vraiment il garde pas la confidentialité, un petit doute, donc je prends quelqu'un d'autre. Et puis pour le coup, bah, tu te retrouves avec une séance et tu dis oh, ah, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bien fait. Puis, tu vois, j'y ai pensé hier et je n'ai pas dormi cette nuit, je me dis que c'est un signe. Est-ce que je vais y aller? Ouais, mais quand même, il faut bien que je me fasse aider. À un moment donné, je vois bien que j'ai des problèmes quand même et que j'y arrive pas tout seul. Et tu te retrouves à ta séance de psy et puis il y a de très bons psys. Et je connais de très bons psys et je fréquente de très bons psys. Malheureusement. C'est comme les docteurs, les podologues, les gens qui posent les ongles ou les pet-sitters. Tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas compétent. Et ça m'est arrivé d'avoir une séance de psychothérapie à laquelle je m'étais préparée parce qu'il fallait que ça change. Là, qu'on me donne une solution, une clé, un outil, une astuce. Et à la fin de la séance, je dis bah, écoutez, madame, séchez les larmes, je vous remercie de ce temps. Pas trop vous remercier de votre écoute, j'ai plus l'impression d'avoir fait votre propre psychothérapie que vous n'avez fait la mienne. Mais je vous souhaite bon courage et une très belle fin de journée, madame, monsieur, ça marche aussi. Donc ça va, c'est bon, fous-toi la paix. C'est pas parce que tu as fait qu'il ne faut plus le faire. C'est pas parce que tu as eu un coach qui n'était pas bon que les coachs, c'est de la merde. C'est pas parce que ton dentiste t'a arraché une dent et que tu voulais trop l'avoir en entier pour la mettre sur ta petite souris et qu'il te l'a rendue en miettes et que tu as eu la joue de Mafalda, que tous les dentistes, c'est de la merde et qu'il ne faut plus jamais te faire soigner les dents. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton espace. Moi, je n'ai pas de promesse à te faire et je ne peux t'emmener nulle part. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis la vitesse, c'est toi qui choisis la profondeur, c'est toi qui choisis les dossiers. Je ne vais jamais te dire que moi, je t'accompagne sur ton divorce. Je me permets de faire une autre demande. Connexion, mais mon âme, vont te quitter. Oui, bien sûr, Pat, ne t'inquiète pas, je vous vois. Si vous avez besoin de vous connecter, vous reconnecter. Je vous vois arriver, je vous laisse re-rentrer. Si vous avez de l'inconfort, si vous avez besoin de quitter la salle pour y revenir, sentez-vous très libre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, mais à un moment donné, si effectivement tu as des doutes, on s'en parle. Si tu ne sais pas par quoi commencer, te dire « ouais, mais elle n'a pas dit qu'elle faisait le divorce ». Je ne sais pas, parce que moi, je suis quand même un peu sur le divorce. Mais bon, en même temps, j'ai un souci avec ma mère. C'est vrai qu'elle a parlé de thérapie. Alors, du coup, est-ce que je dois la voir à elle ou est-ce que je dois voir un psy? Parce que du coup, je suis perdue, je ne sais plus. Mais bon, si je suis totalement honnête, je changerais bien de métier au passage. Mais elle a quand même dit qu'il fallait faire d'abord soi et après le pro. Donc, en fin de compte, bah là, je suis complètement perdue. Ça va, hey, fous-toi la paix. Je ne te demande pas de faire mon travail. Je ne te demande pas de savoir exactement c'est quoi la bonne question. Je ne te demande pas de savoir exactement quel est le programme, le parcours. C'est moi qui vais te dire. J'ai créé un espace où c'est moi qui choisis pour toi. Moi, je te propose, si tu sens que ça vibre et que tu veux venir, laisse-toi embarquer. Si tu sens que tu as envie mais que tu résistes, on s'en parle. Je te dis tous les jours dans mes stories, je te mets un petit lien, hein, tu as accès à mon agenda, on s'en parle. Pas d'obligation à acheter parce que moi, j'ai rien à te vendre. On n'a rien à vendre, on n'a rien à vendre. C'est ça, les coachs, on les connaît. Ils te disent qu'ils n'ont rien à vendre et puis ils commencent à te proposer ça et puis après, ils te prennent ça. Non, ça va. Je ne vais pas te voler ta carte bleue par télépathie. Whit. Non, tu choisis. Tu choisis si c'est ta appel, tu choisis si ça a du sens. Et le premier espace dans lequel je t'aide, c'est souvent celui-là. Tu as envie d'y aller, tu ne sais pas. D'un côté, oui, mais non, mais quand même, je m'occupe des autres. C'est un budget, c'est quand même le budget des vacances, des enfants. Je ne peux pas me donner la priorité. Je dis oui, mais en même temps, si tu utilises cet argent pour mettre tes enfants en vacances et que tu fais de la merde pendant tes vacances, à quoi servent les vacances aux enfants si c'est pourri et que papa est rentré jeudi, qu'il n'en pouvait plus de supporter maman? À un moment donné, c'est juste des choix et l'idée, c'est de mettre du sens dans tes priorités. À un moment donné, l'idée, c'est de mettre de l'ordre dans ton cheminement. À un moment donné, l'idée, c'est de définir ton premier pas. Juste ton premier pas. On a tous des rêves, des envies, des désirs. Certains qu'on va réaliser, d'autres où on va aller vers et en cours de route, on va dire « Ah putain, je me suis grave trompée, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'aller. » Toutes les expériences, elles sont bonnes pour être soi dans chacune de ces journées. D'où mon parcours en autonomie, fais-toi une belle journée.
commence déjà par te faire une belle journée. Donc, dans mes espaces, tu as tous les contenus qui sont offerts sur mes réseaux. Tu as le parcours « Fais-toi une belle journée ». Tu as le livre à piocher. Faut que je trouve un. D'ailleurs, si vous avez des idées, envoyez-moi un texto. Si ce n'était pas un livre, si ce n'était pas un ouvrage, vous qui êtes très créatif, ça pourrait être quoi pour un livre à piocher? Je voudrais que ça ne s'appelle pas un livre. Je vais le rééditer, je vais en faire quelque chose. Allez, j'ai fait une petite cette bande. J'ai pris la barrière, je monte, je reprends. Coaching, c'est OP, c'est OK. Si tu as essayé les deux et que ça n'a pas marché, dans mon espace, je te propose un mix des deux. Je t'ai dit, tu es unique, tu es sur mesure et je suis unique. C'est vrai aussi, mais surtout unique et pour toi, je serai sur mesure. Je ne te demande pas de choisir quel espace en moi est bon pour toi. Je te dis juste, viens me voir, laisse-moi faire et je vais faire. Alors, je vais faire quoi? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mon job à moi, entre coaching et thérapie, entre coaching et mentorat, entre mentorat et thérapie, c'est de créer du lien et des idées. Je t'aide, depuis ton terrain de jeu, à construire un pont entre cette zone de confort qui est devenue inconfortable et dans laquelle tu joues et tu rejoues tous tes schémas inconscients pour shifter vers une autre falaise, ton terrain de jeu désiré, ton terrain de jeu JE, désiré. Je ne sais pas à qui tu es là et qui tu veux devenir là, moi. Donc, si je ne t'ai pas parlé du dossier que tu as envie de traiter, on s'en parle. Moi, je ne traite pas. C'était la problématique quand j'étais à l'école de coaching. Alors, tu vas être coach de quoi? Je ne sais pas, moi. Pourquoi il faut une étiquette? Alors, les deux premières années, quand je disais bah, « je suis coach » parce qu'il fallait que je dise quelque chose et comme prise de l'idée, je n'assumais pas vraiment, je ne l'incarnais pas, je ne savais pas. J'avais, c'était marqué sur ma carte de visite, mais « ah, t'es créatrice de liens et d'idées, ça veut dire quoi ?»« Coach ?»« Ah, t'es coach de sport ?» Non, pas du tout, en fait. Moi, mes baskets, j'en achète une paire par an pour me faire plaisir. Et quand elles ont bien pris la poussière et que la semelle, elle est en train de craquer à n'avoir rien fait, là, je change. Comme ça, je me donne l'idée que je suis sportive, mais coach de sport, non. Non, je ne suis pas une coach de quelque chose. J'accompagne des hommes et des femmes qui rencontrent un bug de vie, qui sont en train de taper le front à la porte, qui sont en train de mettre les deux pieds sur le frein, qui sont en train de mourir à l'intérieur, qui sont en train d'étouffer des caca, qui sont en train de bloquer alors qu'il y a eu tellement de travail de fait et que finalement, c'est plus trop où explorer. Je viens créer du lien et des idées entre ton inconscient subi, ton schéma répétitif et ton conscient désiré. Après, c'est la magie. C'est con, mais je ne sais pas. Et ton cerveau, il aime ça parce que je lui permets, un, je comprends et deux, j'agis. Je comprends et j'agis. Si ton cerveau, il comprend, il ouvre la porte, il est ouvert au changement. S'il ne comprend pas, il bloque. Et là, on le met sur la courbe du changement. Ben oui, on parle de changement quand même. Change quelque chose pour que quelque chose change. Oui, mais c'est quoi la courbe du changement? Je la fais en cours parce que dans mes espaces, je t'en parle en long, en large, en travers. Tu as tous ces espaces pour le découvrir. La courbe du changement, c'est une espèce de petit bout qui démarre de là, avec un petit trait comme ça. Attends, j'essaie de le faire avec mon écran. Là, c'est comme si mes doigts ne sont pas dans la feuille. Là, il y a un petit trait qui démarre. Bouh, il vient de avant l'écran. Et puis d'un coup, il fait boum. Il remonte et puis il va ressortir là. Donc en fait, quand il démarre de là, là, ici, c'est le moment où tu es ici et maintenant. C'est le moment où tu es en train de te dire qu'il faut que quelque chose change. C'est maintenant, c'est le changement. Ce n'est pas un programme politique que je fais non plus. Le changement, c'est maintenant. Ici et maintenant, tu es là. Et avant, là, l'espace où ça sort, ben, c'est ton âge. C'est ton âge et toutes tes habitudes liées à tes expérimentations, ton éducation, tes traumas, tes blessures, tes doutes, tes peurs, tes « ouh là là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ». Il y a tout ça qui se passe avant. Et puis là, tu es en train de te dire « oh, mais j'ai trop compris ce qu'elle a dit Audrey ». Oh, j'ai lu son livre tout le temps sur l'atypisme. Celui de Monique de Kermadec aussi. Mais je me demande quand même, je suis hypersensible, est-ce que je suis atypique? Ouais, bon, c'est bon. À l'intérieur de toi, quand on se pose la question, il n'y a jamais de fumée sans feu.
Oh, je voudrais divorcer, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Bah, pourquoi tu te poses la question? Si tout allait bien, tu ne te poserais pas la question. Ça ne veut pas dire que tu vas divorcer. Mais ça veut peut-être dire qu'il faut repréciser la question et puis définir une vraie réponse pour que tu arrêtes de te la poser, la question. J'aimerais tellement changer de travail, moi j'aimerais tellement entreprendre, mais je ne suis pas faite pour ça. Mais si tu n'es pas faite pour ça, pourquoi ça t'attire alors? Pourquoi tu te poses la question? Moi, je me souviens quand je disais, oh, je crois que je suis atypique comme ma fille. Alors, elle, elle est atypique, clairement. Puis ma copine aussi, elle est atypique. Alors moi, mais quand même, j'aime bien l'idée. Puis le lendemain, de me dire, oh, mais tellement pas, pour qui tu te prends, Prévost? Oh là là, t'as foiré ton bac. Tu l'as eu, mais t'as fait semblant de le foirer. Puis t'as jamais rien réussi, puis t'as fait 34 métiers différents. Toi, surdoué, eh, dis donc, pas déconner quand même. Puis après, ça va dire quoi? T'es surdoué, alors du coup, faut tout réussir. Ben c'est vrai, j'ai déjà assez de pression comme ça, je vais pas m'en rajouter. Hein. Ça va, c'est bon. Hein. Puis du coup, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est là, c'est la pète. Alors le jour où tu commences à dire que t'es créatrice de liens guidés, celle-là, elle a un métier, ça n'existe pas. Le jour où tu commences à dire, ah, j'ai dépassé un chiffre d'affaires que je n'entendais pas. Ah, mais en plus, elle vend son argent. Enfin, peut-être que ses parents l'ont aidé, non aussi. Ah non, 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 je t'assure que non. J'avais 1,24€ sur mon livret quand je me suis lancée au chômage avec 3 enfants dans les bras. Ah ouais. C'est chiant, ces gens qui puent le bonheur, là. Putain, je voudrais bien être comme eux. Mais je ne veux pas me reconnaître atypique. Je ne me reconnais aucune réussite. Je crois que j'ai vraiment tout foiré, puis de toute façon, je suis faite pour rien, puis j'arrive à rien, puis de toute façon, je pense tout le temps de la merde, j'arrive pas à avoir l'énergie positive, puis quand je me lève, j'ai pas envie, j'ai pas le goût à la vie. Puis... Bon, alors, si t'es ici et maintenant, c'est pas par hasard. Si t'as calé à mon énergie, ma vibration, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans un de mes posts, dans une de mes vidéos, peut-être par curiosité, peut-être par hasard. Hein, au hasard, oh, dis donc. Tu l'as fait bien les choses quand même. Hein. Ici et maintenant, il y a un choc. Hop, je reprends mon tien. Je devrais avoir des petites marionnettes aussi. J'aimerais bien faire ça avec les marionnettes. Ici et maintenant, il y a un choc qui se pose. Tu dis, putain, je prends conscience du changement. Ah, oh, j'ai peur. Choc, déni, colère, tristesse, marchandage, acceptation, renouveau. Wow, ma vie est géniale. Et au bout de 3 ans, oh, putain, qu'est-ce que je me fais chier. C'est la vie. Tu ne fais que ça. En haut, en bas, en haut, en bas. C'est juste que tu ne mets pas ton énergie au bon endroit pour des trucs qui te font vraiment envie parce que tu ne t'autorises pas à rêver en grand. Parce que les rêves en grand, c'est pour les autres. Mais en vrai, tu fais ça tout le temps. C'est le changement. Il est toujours question de faire le deuil d'une ancienne version de toi. C'est la courbe du changement. C'est la même chose quand tu changes de brosse à dents. Vous savez quoi, d'après quand même, vous avez les gencives un peu abîmées. Brosse à dents souple. Ah non, dur, monsieur. Ah, il va falloir passer à la soupe, madame Prévost. Parce que là, vos gencives, vous les abîmez. D'accord. Une semaine, 2 semaines. Ah non, pas envie d'acheter une brosse à dents souple. Je suis habituée. Ah, putain, ça saigne beaucoup quand même. Bon, ben, peut-être écouter ce qu'il a dit. Je m'achète une brosse à dents souple. Puis dans l'emballage, un jour, 2 jours, 3 jours, oh putain, merde, ça saigne vraiment, là, faut que je fasse quelque chose, puis j'ai vraiment mal pour pouvoir se gonfler comme ça. J'ai assez souffert, là, c'est bon, je valide le changement. Bon, je vais changer de brosse à dents. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu prends ta brosse à dents, puis tu regardes l'autre, puis, adieu, tristesse, Zazie, il faut que je te laisse. Tu prends ta brosse à dents souple, puis tu dis, putain, ça me ressert à rien, ce truc-là. Putain, j'étais habituée à l'autre avant, quand même. Je vois bien que alors, j'insiste. Mais de toute façon, ça ne sert à rien, ce qu'il a dit. Je vois bien que je saigne toujours. Puis, à un moment donné, il se passe que le chat de ta mère est décédé. Elle est à fond. Elle t'appelle tous les jours. Et puis, tu n'as plus le temps de penser à ton changement de brosse à dents. Et puis, un jour, tu dis, ah, oh, putain, ma copine elle disait qu'elle avait changé de brosse à dents. Ça me rappelle, moi aussi, changer de brosse à dents. Tu t'en souviens même plus. Tu as oublié cette étape. Et je te prends volontairement un exemple, mais insignifiant, mais tellement vrai. J'en ai vu beaucoup de vous en train de rigoler, d'ailleurs. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de petits changements. Vous avez résisté, résisté. Alors, imagine un gros changement.
Imagine si tu veux vraiment changer un truc dans ta vie. Bah, peut-être que tu pourrais commencer par adopter le changement, à comprendre cette courbe qui est toujours la même. Choc, déni, colère, tristesse, marchandage. Le moment où tu fais un coup souple, un coup dur, un coup souple, un coup dur. Et le moment où tu t'essayes de changer. Souple, dur. Et puis où du coup, tu es de nouveau en colère, tu remontes dans la courbe. T'en veux terriblement ton dentiste. Tu retournes le voir et confirme le verdict. Souple, Madame Prévost, souple. Alors du coup, tu es profondément triste. Et commence. Souple, dur. Mais là, tu t'es dit, j'ai une idée, je vais voir un autre dentiste. Je vais écourter l'histoire à ce niveau-là, mais je t'assure que la zone de marchandage, si tu es tout seul avec toi-même, elle peut durer très longtemps. Je peux t'assurer que c'est chiant et je peux t'assurer que tu souffres. Alors, si tu es en marchandage avec ta brosse à dents, ça peut gérer. Ça, c'est tes gencives qui vont te le dire. Si tu es en souffrance dans ton travail, en marchandage dans ton couple, en marchandage avec toi-même, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas. J'ai envie, je veux plus. Je désire tellement, j'ai trop peur. Permets-moi juste de t'accompagner dans cette zone, de te prendre la main et de t'aider à faire le tri, à mettre de l'ordre et à devenir ton premier pas qui va faire que « Ok, j'ai compris. Alors j'accepte, ça descend et mon corps se met en mouvement. C'est sous mon contrôle. Je me sens à l'aise, je me sens serein, sereine avec cette décision. Et puis je l'assume et puis ça se passe bien. » Et puis ceux qui allaient me critiquer me critiquent. Et puis un an après, en fait, ils font comme moi. Et puis je commence à comprendre que ben, ça peut être inspirant d'être cette personne qui fait évoluer ses espaces et que ça fait du bien à tout le monde finalement. Parce que quand je vais mieux, mon conjoint va mieux, ou mes enfants vont mieux, ou je me porte mieux dans la relation à mes parents, je me comporte mieux en amitié, où j'ai réussi à dire non, à dire stop à ces relations toxiques. Voilà le changement. C'est tout ça le changement. C'est tout ça la contrainte. C'est tout ça la difficulté. C'est tout ça le jeu du cerveau. Je suis en train de rire à l'intérieur, je suis obligée de rire. Je suis en train de vous dire ça, c'est hyper sérieux. Et il y a ce petit truc à l'intérieur qui dit, Audrey, t'as oublié toutes tes feuilles. T'as plus rien dit de ce que t'avais prévu de dire. C'est tout ça aussi, l'atypisme. C'est perdre ses chèvres et ses moutons et jouer au berger pour attraper tout le monde. C'est avoir ces moments à la bouche très sèche, mais on a tellement parlé qu'on s'en était pas rendu compte. Je propose de respirer 2 minutes pendant que je bois un coup. Au lieu de fixer le code barre qui est collé sur la bouteille et que ça va emmerder certains, on dirait, alors, il aurait pu coller son code quand même, hein. Je vais lui mettre un petit mot dans le chat. J'ai un produit super, j'ai une technique pour pas que ça laisse de traces. Non, ça va, fous-toi la paix. Respire et demande-toi qu'est-ce qui résonne en toi. Quelle question tu as envie de me poser. Pendant que tu fais ça, je vois pour vrai. Je me tourne un peu pour ne pas t'embêter avec l'étiquette. Ah, si vous vous mettez à rire, moi, je ne vais pas tenir, hein. Je suis en chaleur complète avec cette lampe en plus. Ah, c'est pas vous, moi je suis bien ici. Ici et maintenant, je suis vachement bien. Je me dis que je pourrais monter sur scène, que c'est ce rêve d'il y a 5 ans où un jour j'allais monter sur scène alors que j'étais toute rouge et je bégayais devant 2 personnes dès que les 2 me regardaient en même temps. Toutes ces fois où je me suis assise, tu sais, au bout de la table rectangulaire. Alors tu ne mets pas au bout parce que tout le monde te voit, c'est la place du chef et tu ne veux surtout pas avoir la position du leader. Tu ne te mets pas non plus au milieu dans la grande rangée. Parce que des fois, tu as fait ça et tu t'es dit, je vais te cacher au milieu. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu te mets à parler, c'est toute la table qui te regarde. Donc, tu te mets au coin. Au coin, à gauche ou à droite du leader. Parce que tout le monde se concentre sur le leader et personne ne te voit. Tu sais, ce moment de ma vie, j'étais un très bon numéro 2 et où je n'aspirais pas du tout à être un numéro 1. Où je m'en croyais incapable, où c'était impossible, où je passais mon temps à me cacher, à me minimiser, me diminuer. Où, ah, c'est bien, Audrey. Oh non, mais vous savez, je n'étais pas toute seule, hein. Non, Gertrude, elle m'a vachement aidée sur le dossier. Ah, puis Maxence, ça fait un boulot super. Hein. Vous pouvez aller le remercier d'ailleurs. Audrey, tu peux rester ce soir? Oui, vous inquiétez pas, je vais faire regarder les enfants. Pas de problème. Ah,
moins 200 sur la paye. Mais pourquoi ? Ben, tu sais, c'est pour tes paniers repas. Ah oui, mais quand même, mes heures. Ah non, je ne me souviens pas, Audrey. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Alors, ben, à cette époque-là, en réunion, quand on était 12 à table, je tremblais avant d'y aller. J'étais à la limite de faire pipi culotte. Et là, je suis en train de vous dire, je suis vachement bien avec vous. Vous êtes je ne sais pas combien et je suis vachement bien avec vous. Il y avait 126 personnes inscrites qui vont regarder ce live. Je suis vachement bien avec vous. J'aimerais beaucoup aller sur scène et vous avoir dans la salle. Et pour certains, certaines que j'accompagne aussi en développement professionnel, j'aimerais bien vous avoir avec moi sur scène. Mais respirez, ça va, on a du temps à préparer. Hein, on va le faire tranquille. On va commencer par commencer. Alors pose-toi la question, pour toi, c'est quoi commencer ? Peut-être que commencer, ça va être de me poser une question. Et je vais ouvrir un petit temps à la fin. Mettez pas les questions dans le chat maintenant, je ne les verrai pas. Je vous dirai quand ce sera le moment. Mais tu peux commencer à te poser la question. Ah, merci, Pat. Pat, c'est super encourageant pour ma semaine de théâtre, tu vois. Je suis en train de me dire là à l'instant. Je me suis prévu un stage d'impro. Ah, je ne sais pas pour me prouver quoi, on dira après. Bon alors, on prend tout ce que tu es, tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu n'as jamais été, mais que tu as cru que tu étais. Tu mets tout ça ici et maintenant, tu l'envoies très loin, très fort, très profondément dans le futur. Tu le rattrapes à fond. En même temps que tu tires tout le passé, toutes les histoires que tu t'es racontées, qu'on t'a racontées, que tu as cru que c'était arrivé ou que tu ne sais plus si tu crois que c'était arrivé ou si c'est arrivé vraiment. Tu mets ça à l'intérieur de toi, ça fait un contenant avec plein d'informations. Et là, tu appuies sur centrifugeuse, tu as mal à la tête et tu dis putain, mais je croyais qu'à écouter Audrey, elle allait comprendre qui je suis. Mais je ne peux pas te dire qui tu es. Tu peux le découvrir et je peux t'aider à le découvrir. Mais je ne pourrai jamais te dire qui tu es. Pour la simple et bonne raison que j'ai bien souvent du mal à dire qui je suis, à part répondre. Plus je me définis, plus je me limite. J'ai trop envie de me définir là où je veux aujourd'hui, maintenant. Je suis moi, ici et maintenant. Et pour ceux et celles qui ont vu le live d'il y a, je ne sais plus, 3 semaines, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas la même dynamique, c'est moi, ici et maintenant. Ce n'est pas la même énergie non plus que le live que j'ai fait ce matin. Je suis moi, ici et maintenant, c'est déjà bien. Et je m'aime. Bisounours, câlin, cœur chaud, gros doudou. Bon, t'es tout ça, t'es aussi toutes tes émotions. Tu sais, j'aime que t'es gardé tout à l'intérieur là, comme ça. Je garde à ne pas sortir. Sinon, ma mère dira que je ne suis pas un enfant sage parce que faut pas se faire remarquer, faut pas se faire remarquer. C'est dur, mais je résiste. T'es aussi tout ça. Et puis, t'es tout ce que tu crois que t'as foiré, donc avec ton manque de confiance en toi. Et puis, t'es aussi tout ce que tu n'as jamais été assez. Donc, t'es aussi toi avec ton manque d'estime de toi. T'es aussi tout ce qui est dans l'inconscient, le subconscient. Et là, je vais essayer de ne pas en trop en cours de route. Mais pour certains qui connectent à ces espaces-là, t'es aussi toute l'histoire de ta lignée, qui était ta mère, qui était ton père, qui étaient tes grands-parents, d'où tu viens, comment ils ont été éduqués, qu'est-ce qu'ils ont transmis à tes parents, qu'est-ce que tes parents t'ont transmis. Qu'est-ce qu'on attend de toi ? Qu'est-ce que par loyauté familiale tu continues à faire pour honorer la lignée, hein, pour ne pas sortir du clan, pour te sentir aimé encore alors que toi tu t'aimes plus ? T'es aussi tout ça. Et ici et maintenant, quand je te dis changement, eh oh, changement ! C'est bon, tu l'as vu ton changement ? Tu as capté l'image, l'énergie ? Normalement, tu es aussi l'inconfort que ça vient de générer à l'intérieur de toi. Ah, je savais que j'allais vous dire un peu tout ça. C'est pour ça que j'avais très très à cœur d'être beaucoup beaucoup en énergie. Parce que je me suis dit, oh les pauvres, quand même, je vais les assommer si je leur dis bon, toute la vérité. Ouais, mais je vous ai dit que je ne voulais pas vous mentir. Alors, commencer à commencer. Tiens, je ne sais pas où j'en suis, j'ai pris au hasard un titre. Oui, stop, c'est marrant. Commencer à commencer, stop, ne te barre pas en courant. Je ne sais plus du tout ce que j'ai écrit cet après-midi, mais c'est exactement le bon moment parce que je suis en train de dériper. Complet.
commencer, qu'est-ce que je te propose concrètement dans mes espaces. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Stop, ne te barre pas en courant ». Tu sais, ce moment où les coachs vont vendre leurs offres. C'est bon, on a entendu ce qu'on a entendu, on a pris ce qu'on avait à apprendre. On n'a pas l'intention de changer, on n'a pas l'intention d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie. On préfère choisir notre caca et c'est OK. C'est OK, je t'invite à écouter quand même. Non pas parce que je vais te convaincre, mais parce que je te propose d'écouter le processus. D'écouter le processus pour que tu puisses savoir de quoi tu as envie et de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui sonne juste pour toi ici maintenant ? Que ce soit dans mon espace, dans l'espace d'un autre coach, d'un mentor, d'un thérapeute, d'une amie, dans ton espace individuel. Juste de voir avec quoi tu as envie de commencer. Qu'est-ce qui résonne juste pour toi ? Tu veux commencer à commencer, tu veux faire à ta sauce, tu veux faire un petit peu, tu veux que personne le voie, que personne le sache. Tu as besoin de clés, tu as besoin de notions, tu as plein de contenus disponibles sur tout un tas d'espaces. Aujourd'hui, on a cette chance-là que nos mères et nos grands-mères n'avaient pas. On a un accès au développement personnel et je te fais confiance pour faire le tri entre le sorcier, les poupées vaudou et les licornes. Et les paillettes, la poudre de perlimpinpin, les fées, les troubadours, les chamanes, les psys, les coachs, les thérapeutes, les mentors. C'est compliqué cet univers. Mais ne te pose pas cette question, gentil petit cerveau. Sens-toi juste attiré par l'énergie et laisse le professionnel faire son travail. Tu ne te tromperas jamais dans ton choix. Ton intuition, elle parle toujours. Et des fois, elle va te dire « Ouais, vas-y par là ». Et ton cerveau va dire « Ah non !» C'est un charlatan. Et non, parce qu'il ne veut pas le changement. Là, dans ton ventre, si ça sonne juste, si ça t'attire, si ça t'appelle, vas-y, peu importe ce qu'en pense ton cerveau, et fais-en quelque chose. Si tu as déjà validé cette étape, et tu dis, ouais, mais c'est vrai que c'est assez juste de vouloir valider des petits changements, ben, je vais peut-être commencer par « Fais-toi une belle journée ». Voilà, c'est 33 capsules vidéo, le temps de les voir, les revoir, les re-revoir. Et comme Audrey a dit, c'est un parcours qui est quand même complet, dans lequel Audrey a pris le temps de connecter toute sa base, tout ce qu'elle a mis en place dans son espace pendant 5 ans pour commencer à commencer et qu'elle applique toujours. Ce n'est pas trop déconnant quand je crée des trucs et je continue de les appliquer à moi-même, c'est que ça tient à peu près la route quand même. Tu peux commencer à commencer avec ce pas-là. C'est toujours un pas de plus. Et commence. Ensuite, si tu es en mode « Ok, j'ai capté, j'ai envie et je veux sortir de ma bulle. » Pour celles qui sont dans la dimension professionnelle, celles qui ont déjà travaillé avec moi, celles qui sont en train de travailler avec moi, puissance collective pro est complet. Il n'y aura pas d'autre place ouverte. Il y aura une prochaine session, 2023-2024, je ne sais pas encore vous dire. Assure-toi juste avant d'avoir fait le travail nécessaire. Nécessaire, ça veut dire quoi ? À quel niveau ? À quelle hauteur ? Le travail nécessaire pour te sentir engagé. Point. Je ne te demande pas d'avoir visité tel ou tel espace, d'avoir... comme certains le disent, tu es ton père, enterrer ta mère. Et non, pas du tout. Juste de sentir que oui, c'est le moment, c'est l'heure de t'engager professionnellement, c'est l'heure de faire quelque chose de toi avec toi. Si tu ne sens pas encore totalement ça, effectivement, on a peut-être un espace perso à aller débloquer d'abord. Si tu te sens engagé dans un espace pro, parce que j'en vois une qui est embarquée à mes côtés et qui est en train de se froncer les sourcils et j'ai juste envie de lui dire « arrête de te faire mal ». Arrête de te faire mal. Tu sais très bien que quand je vous l'apprends, je vous choisis autant que, que vous me choisissez. Et moi, je te dis toujours la vérité. Si je t'ai embarqué, c'est que c'est OK. Alors, celles qui sont embarquées dans cet espace, qui sont en train de se faire mal, dire oh, quand même, est-ce que je vais être prête? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? On va vivre une belle aventure. Et il y a un autre parcours qui ouvrira pour celles qui disent oh, j'aurais trop voulu. Ça viendra. Pour toutes celles qui sont dans la dimension, le groupe, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux faire que de l'individuel, c'est trop personnel. Et puis, j'ai déjà fait, il y a aussi dans cet espace individuel, beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de travail, mais qui sentent
y a un cran de plus. On a un désir plus haut, on a envie que ce soit plus pertinent, plus percutant. Tout ça, c'est l'espace de mentorat. Et là, l'espace de mentorat est complet. Il va réouvrir ses portes pour le mois d'octobre. Je prends déjà des engagements maintenant pour le mois d'octobre. Parce que je vais être en vacances cet été, je ne travaille pas. Pour tous ceux qui vont être dans l'espace Impulse ta vie de femme atypique, cet espace perso, de groupe, accessible, où on commence à commencer à se poser vraiment les questions de l'atypisme, à commencer à être dans un groupe, à commencer à parler de soi, à commencer à être vulnérable, à commencer à être authentique. Cet espace, il est ouvert pour celles que j'accompagne en mentorat et cet espace va réouvrir pour une nouvelle cohorte fin 2023, début 2024, je ne sais pas encore vous dire. Les portes qui s'ouvrent là maintenant, c'est donc des places de mentorat en individuel à mes côtés à partir du mois d'octobre et je prends les rendez-vous maintenant. C'est l'immersion, n'être de soi pour n'être que soi. Qui vient à l'immersion ? Il faut que je vous en parle un peu quand même. Toi, qui que tu sois, comme chez McDo. Pas besoin d'est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai lu ça, mais j'ai pas lu son livre. Non, toi, point. Tout le monde peut venir à l'immersion. Qu'est-ce qu'on va faire à l'immersion ? En saison d'automne, je vous l'ai dit, on va se libérer de poids. Lesquels, Audrey ? Je connais pas tes boulets. Je peux pas dire, c'est toi qui vas choisir ce que tu veux libérer. Oui, mais si on sait pas ce qu'on va libérer, t'inquiète, fais-moi confiance. Je vais t'aider à mettre de la lumière sur le caca qui traîne. Je suis une déesse très agile pour venir faire, tu sais, sur le mouchoir. Caca, mouchoir. Caca, oh, mouchoir. Et moi, je fais, et tu dis, je le vois, mais je ne veux pas le voir. Ok, qu'est-ce qui te fait peur ? Ah, mais ça et ça et ça. D'accord. Et là, maintenant, comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Et qu'est-ce que tu veux ? Ah, ben non, mais je veux bien regarder. D'accord. Et qu'est-ce que tu en fais ? Ça pue, j'en veux plus. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Je m'en débarrasse. Mais j'ai peur. T'as peur de quoi ? Ben, je crois de ça. Tu crois ou t'es sûre ? Ben, je crois. Bon, alors si c'est pas ça, ça pourrait être quoi d'autre ? Ah ben non, en vrai, j'ai tellement peur de ça. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas ? Je vais mourir étouffée dans mon caca. Et si tu le fais, je vais me sentir libérée. Qu'est-ce que tu veux ? Me libérer ? Alors qu'est-ce que tu fais ? Je me libère. Voilà. Mais c'est quoi la nature du caca ? Ça m'est égal. Et puis, tu as le droit d'en avoir plusieurs, parce qu'en général, ils aiment bien vivre en colonie. Ils sont très attachés les uns avec les autres. Dans cet espace d'immersion, tu peux venir si on ne se connaît pas. Tu peux venir si on se connaît. Tu peux venir si tu es déjà venu. Tu viens, c'est tout. C'est quoi plus exactement ? C'est du 9. J'ai mis jeudi, mais j'ai un doute sur jeudi. C'est du 9 novembre. Je crois que c'est un jeudi. En fin d'après-midi. Au dimanche 12 au soir. Du 9 au 12, avec possibilité de partir le 13 au matin. Je vois déjà des « Non !» Genre, ce n'est pas les bonnes dates. Il y en aura d'autres. Dis-toi que ici et maintenant, si tu n'es pas dispo, si ça ne peut pas se passer là, c'est que peut-être on a autre chose à travailler ensemble et c'est OK. Mes intentions, je te dis, vous aider, contribuer à vous libérer de ce qui vous encombre. Le programme, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Je n'en sais rien et je ne le saurai que 3 jours avant l'immersion. Je vais calibrer avec l'énergie du moment, avec les enjeux du moment, avec ce qui se joue pour moi à ce moment, avec qui est réuni dans le groupe, avec l'énergie de ce qui vous amène, avec vos profils, avec... ce qui me vient dans l'instant, ce qui me vient 3 jours avant, et l'autorisation totale et complète pour moi de tout changer à chaque instant. Donc, si tu voulais acheter un programme, je ne t'ai pas dit, je te l'ai dit au début, tu ne trouveras pas ça dans mon espace. Il y a un processus de 4 jours, il n'y a pas de programme. Les repas. Sont dessinés, concoctés par notre délicieux chef local. Et si tu as des contraintes alimentaires, ben tu me fais ta petite liste de courses et tout va bien se passer, ce n'est pas un problème. Dans ce groupe, dans mes groupes, on privilégie l'amour et l'ouverture.
Oui, mais si je suis fermée parce que j'ose pas parler, parce qu'on me dit que je suis froide et associable, oui, ben, si tu étais vraiment ça, tu ne serais pas en train de connecter avec moi, tu me trouverais terriblement chiante, tu trouverais que je prends vraiment trop de place, que j'ouvre trop ma gueule en comparaison de toi qui ne dis absolument rien. Donc, si tu en es au stade où tu dis plus rien et que tu kiffes quand même un peu ce que je te raconte, c'est qu'il y a probablement un juste milieu et que le côté convivial et l'ouverture, probablement, c'est peut-être que tu as travaillé. La bienveillance et le respect. Ah oui, mais moi, je respecte tout le monde, on ne me respecte jamais. Non, alors si on ne te respecte pas, c'est probablement que tu ne te respectes pas. Peut-être que tu as cet espace à visiter à mes côtés. La sororité et le soutien. Ah oui, mais moi, j'ai tout le monde, je ne m'emmène jamais. Ben, peut-être que tu as à t'aider toi, et peut-être que tu ne sais pas comment faire, et peut-être que dans cet espace, je vais pouvoir te dire, ok, par quoi tu peux commencer ? La richesse de la puissance collective. Ah non, mais moi, je ne veux trop pas parler de moi dans un espace de groupe. Hein. C'est hyper personnel, en plus que j'ai à dire à travailler. Donc, franchement, ce groupe, Audrey, ce n'est pas pour moi, ça ne regarde que moi. Tu peux soit rester avec ton caca, soit t'ouvrir au fait que tous ceux qui viennent ont des cacas et que même moi, quand je vais arriver, j'aurai mes cacas. Et je vais vous dire clairement, je ne me gêne pas pour les déposer. Non, ça va, on se fout la paix. Il y a du respect, de la bienveillance. Il y a la richesse de la puissance collective quand tu vas commencer à voir que les cacas des autres résonnent chez toi. J'étais en train de me dire, ça fait beaucoup de caca dans beaucoup de phrases. Peut-être qu'il faudra que je trouve un autre mot, mais celui-là, je le trouve tellement mignon. Le lâcher prise en sécurité. Des fois, ça lâche. Oh, il y a une émotion qui arrive et ça fait tellement longtemps que je les retiens. T'imagines ? J'ai eu dans un groupe et si je me mets à pleurer, oh là là, et comment je vais faire si jamais je suis en colère, s'il y en a un qui me déclenche ? Ah, puis tu sais, c'est où je vais là ? Putain, c'est chiant, il y en a toujours un qui m'énerve. Ouais, mais ça, on sait se le dire. Et si tu peux pas le dire au groupe, moi, je sais l'entendre. Et il y a forcément quelque chose qui s'agite en toi. Et c'est en train de taper au carreau, en train de te dire « Je veux sortir ! Je veux me libérer !» Et tu seras bienvenue dans cet espace pour libérer ça. Lâcher prise en toute sécurité. Les échanges instructifs et authentiques. Les profils atypiques ont beaucoup de mal avec les groupes parce que dans le groupe, je me fais chier, parce que les filles, c'est gnangnan, parce que les garçons, ça a trop de couilles, parce que vroum vroum, une grosse voiture, un bœuf, une patate, ça m'emmerde, parce que couche, ménage, torchon et compagnie, ça m'agace, parce que les gens qui se répètent, c'est saoulant, parce que... Moi, en fait, j'aimerais tellement aller en profondeur, mais si les autres ne le font pas, ben, je ne me sens pas à l'aise pour le faire. Alors, si ce n'est pas instructif, profond et authentique, ben, ça ne sert à rien que j'y aille, parce que moi, je sais que je ne vais pas m'autoriser. Alors, si tout le monde pense ça, il n'y a plus rien qui se passe. Je te demande juste de me faire confiance, de savoir que je vais créer à la fois le cadre, à la fois la sécurité, la bienveillance qui va t'envelopper, t'entourer, qui va te permettre peut-être d'accéder à cet espace que tu as besoin de venir toucher du doigt, ta zone de vulnérabilité. Ah ben non alors, si c'est pour être vulnérable, chérie comme une maldaine pour tout le week-end, je vais certainement pas prendre du temps, de l'argent et de l'énergie pour aller moins bien. Non mais si ça te libère et si c'est ça ton caca, peut-être que c'est de ça dont tu as besoin et qu'à freiner les deux pieds tout le temps sur ton frein, eh ben ça marche pas. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il se passe pour toi dans cet espace, à chacun de tes passages, je te tiens la main. À chaque fois que c'est dur, je suis là. À chaque fois que tu as peur, je suis là. Mais à chaque fois que tu es en explosion de joie, je suis là. Je suis là dans ces espaces et c'est pour ça que j'aime les créer, parce que j'ai besoin. J'aime les bisous, les câlins, la proximité. Ah oui, mais non, moi, je ne suis pas très bisous. Non, moi, j'aime pas trop qu'on me touche. Mais sens-toi bienvenue quand même. Je te ferai des câlins comme ça, comme je fais avec ma fille qui n'aime pas non plus qu'on la touche. Je lui mets les bras comme ça et je lui fais un câlin de loin. Mais tu pourras quand même profiter de mes énergies. Et peut-être qu'à la fin, parce que tous ceux qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les câlins, ils ont fini par m'en faire un. C'est irrésistible. Puis il y en a plein qui disent, oh, c'est bon, ces trucs de bisounours, tout le monde se fait des câlins. Et puis quand il y est, en fait, tu ne demandes que ça. C'est juste que dans ta vie, peut-être, ils sont chiants les gens et que leurs énergies, tu n'as pas trop envie de les embrasser. Mais dans mes espaces à moi, putain, qu'est-ce qu'on s'éclate si on se fait des câlins et des bisous. Et puis quand c'est le jour du départ, moi qui croyais que j'étais pas bien dans un groupe, bah dis donc, je me surprends, elle est vachement bien. Puis presque je me sens mieux avec vous que dans ma propre famille.
Intéressant, la route du retour à ce moment-là. Le logement, le domaine aux fleurs de sel. Pour tous ceux qui vont me dire, Audrey, je crois bien que j'ai envie de venir à l'immersion, tu me fais un message, je t'envoie, c'est pas une brochure, c'est une espèce de PDF que j'ai fait avec toutes les informations de toutes les questions que vous pouvez me poser. Il y aura le lien vers le domaine où vous serez logé en chambre, en lit, en couchage individuel, en chambre double probablement, en fonction du nombre d'inscrits. C'est 4 jours en présentiel. Ça demande ton authenticité, ton envie et ton sens du partage. Même s'il n'est pas très développé, t'inquiète pas, on t'aidera. Et tu ne seras jamais forcé. En investissement, ça te demande aussi 990 euros. 880 pour celles qui sont déjà dans Impulse ta vie. Pour celles qui sont déjà à mes côtés dans mes espaces ou qui ont déjà fait une immersion. Et tout le détail de l'investissement qui comprend le logement, etc. La pension complète, l'état de prince ou de princesse, tout est détaillé. Je crois que ça, je l'ai dit. Peut-être que ça donne envie à certains. Bien qu'ils disent, ouais, mais quand même, avec tout ce qu'elle a dit avant, tout le truc, la coupe du changement, le marchandage, puis la thérapie, il faut aller parler de ma mère, je n'ai pas envie. Alors, j'ai juste sélectionné quelques petits témoignages que j'ai envie de te lire. Et ça commence par Sophie qui a fait 2 immersions à mes côtés et qui un jour m'a écrit. Alors, je n'ai pas été choisir, j'ai pris les derniers qui sont apparus sur le groupe de partage. Et qui nous écrit, c'est juste pour vous dire, alors Sophie m'a écrit ce message, je ne lui avais rien demandé, je ne l'ai pas payé pour m'écrire ce message, et Sophie est toujours vivante. C'est important que je vous le dise quand même. Voilà 2 immersions auxquelles j'assiste avec Audrey. Ces moments sont pour moi des instants suspendus, des journées puissantes à ma rencontre, grâce à Audrey qui me guide. Tout est organisé pour qu'on soit le plus dispo possible pour nous-mêmes. Elle nous challenge avec douceur et c'est tellement bon d'avancer sereinement en sécurité. Cerise sur le gâteau, Audrey apporte une grande importance à l'harmonie du groupe. Et durant ces 2 immersions, j'ai fait des rencontres magiques et magnifiques où chacune des personnes présentes est bienveillante envers l'autre. Des groupes au sein desquels je me sens libre d'être. Quel bien-être, quelle quiétude, quelle sérénité. Merci du fond du cœur, Audrey, tu es mon ange gardien du moment. Sophie, j'espère que je suis encore un peu son ange gardien. Je crois que oui, parce qu'elle revient. Oh ouais, mais quand même, si elle revient une 3e fois, c'est que ça ne doit pas trop bien marcher, son truc. Et ça fait 8 ans que je suis en développement personnel, je fais encore des immersions et je fais encore des retraites. Et des fois, j'en fais plusieurs avec la même personne, et puis des fois, je change. Et puis des fois, je reviens à une que j'avais lâchée. Parce que ça fait juste partie du travail. Ah oui, mais quand même, ça représente un budget. Bah oui, tant que tu es dans ton caca, tu n'as pas un budget illimité. Moi, j'ai commencé avec 0, avec des programmes gratuits, et puis 300, et puis 3000. Et puis, hein, je vise à 15 000, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, bah, je continue de m'inspirer ces gens-là. Et puis, un jour, je pourrai. Ça va. C'est OK, tout ça marche. Oui. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et peut-être que la personne est présente dans cet espace. Alors, je ne vais pas dire non. Bonsoir, Audrey. Ce sujet m'a beaucoup touchée également. Tous, ils me touchent tous pour une raison ou pour une autre. Je ne suis pas sûre de pouvoir assister au live d'une part et pas sûre non plus de vouloir en voir davantage. Pour naître de soi, j'ai envie de me laisser porter et profiter des surprises de la vie en excellente compagnie. Et pour ça, je sais que mon choix est le bon. Octobre et novembre est pour moi la période idéale pour l'introspection et j'y accorde une attention toute particulière depuis quelques années. Et cette année, je m'offre ce voyage à tes côtés. Vu comme ça, ça paraît très posé, mais en vrai, à l'intérieur, ça fait... Il y a plein d'émoticônes, mais je ne sais pas bien faire toutes les têtes qu'elle a pu mettre. Bref, c'est le feu. Et ça fait tellement longtemps que je ne m'étais pas offert ça. Au plaisir de te retrouver très bientôt avec mon petit cœur. Il y a ceux qui savent pourquoi ils viennent. Il y a ceux qui viennent, mais qui ne savent pas pourquoi. Il y a ceux qui savent ce qu'ils viennent chercher, mais qui ne savent pas encore avec quoi ils vont se retrouver. Il y a ceux qui pensent savoir, ceux qui croient savoir, ceux qui pensent, ceux qui veulent croire. Et tout ce qui était avant peut être encore présent maintenant dans cet espace-là.
Et puis, il y a ceux qui tremblaient de toutes leurs feuilles. Ouais, j'ai envie de vous le partager, celui-là. Il y a ceux qui tremblaient de toutes leurs feuilles. Il y a cette personne qui m'est arrivée comme une petite souris terrorisée qui n'osait pas venir au live, qui n'osait pas participer, qui ne savait pas quoi dire d'elle, qui disait péniblement qu'elle faisait quelques peintures de temps en temps et qu'elle avait un parcours très classique et qui, à ma grande surprise, m'a livré ce message il y a quelques jours qui parle d'elle. J'essaie de... Qu'est-ce que je l'aime, cette version de moi que j'expérimente. Je découvre cette femme qui s'accepte telle qu'elle est, qui ose être elle au grand jour. Je découvre ses super pouvoirs et constate ses évolutions. Tout ce que je réalisais avec difficulté, avec appréhension, maintenant je l'effectue naturellement, débarrassée de ses pleurs et ses blocages enfermants. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Elle rayonne. Avec la conscience de ses ombres et de ses lumières. Elle n'en a que plus de relief, plus besoin de se cacher. La voilà à vivre son intensité de manière plus apaisée et amusée. Mon infinie gratitude n'est pas suffisante pour te remercier, Audrey. Merci de m'avoir permis d'aimer vivre et d'avoir la réelle envie de construire et d'avancer en accueillant les montagnes russes de la vie. Tu as le job le plus utile qui soit, qui fait que les individus se réconcilient avec la vie et vivent pleinement celles qui se construisent. Pour cela, merci. Et le plus beau cadeau que cette personne ait pu me faire, c'est lorsqu'elle m'a laissé un vocal la semaine dernière en me disant « Audrey, je me suis beaucoup questionnée. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai adoré le parcours avec toi de toute cette année et je me suis vraiment réveillée à l'immersion. Mais ici et maintenant, c'est dur pour moi à dire, mais en même temps, je suis tellement heureuse de dire « Audrey, j'ai plus besoin de toi. » Je ne vais pas revenir à l'immersion, ou du moins pas tout de suite, parce que ici et maintenant, je me sens confortable. Ici et maintenant, je me sens en sécurité. J'ai peur, et si j'en ai, j'y vais quand même. J'accompagne toujours avec une volonté de vous rendre autonome et responsable. Je ne veux pas générer de trop dépendance. Je ne vends pas des programmes à rallonge. Je ne sais pas quoi vous dire de mes programmes. Je suis moi, ici et maintenant. Et je pense que j'ai livré beaucoup de ce que j'avais envie de vous partager. Beaucoup de ce que j'avais écrit que je ne vous ai pas dit. Mais si quelqu'un a une question ici maintenant, soit vous la posez ici dans le chat, soit vous me faites un message en MP, parce que pour certains, ce sera plus confortable. Alors, je vais essayer juste de m'afficher le chat en grand si jamais il y a une question. Que ce soit sur le changement, que je vois en gros, ça finit en faux sapurin. Eh bien, si tu fais rien, oui, ça finit comme ça. Et ça, je vois qu'on s'est bien éclaté, les filles, dans le chat. Enfin, les filles et les gars, parce que je crois qu'il y avait quand même quelques gars présents parmi nous ce soir. Ben oui, je vois Serge. Ah, mais vous vous êtes carrément éclatés en chat, les coquins à côté. J'adore.
C'est magique. Mais vous êtes encore là? Vous n'êtes pas parti vous faire dodo? Bon, bah c'était magique la fin. J'ai adoré. J'ai adoré ce moment où je vous dis poser des questions. Et là, il y a un gros truc qui s'affiche sur mon écran qui me dit que la connexion n'est pas coupée. Est-ce que je veux couper ou attendre? Oh ben, je ne sais pas, par politesse, je vais attendre un petit peu quand même. Une fois, deux fois, trois fois. Mais que veut dire la connexion est coupée? Est-ce que ça veut dire qu'on ne me reçoit plus ou qu'on ne me reçoit plus et que ça n'enregistre plus? Donc, je trouve ça assez drôle de mettre à parler à la caméra en sachant que vous n'êtes plus là, visiblement, et sans savoir si c'est enregistré. Puis, au bout d'un moment, je me suis quand même lassée. Je me suis dit, ça peut durer longtemps, l'histoire, quand même. Bon, allez, déconnecte-toi et essaye de les retrouver. Merci d'être encore là. Et du coup, j'ouvre en vrai le chat si jamais il y a des questions. Et de vous dire effectivement que pour le mentorat, j'ouvre trois places pour le mois d'octobre. Pour l'immersion naître de soi, pour n'être que soi. Anne, Hélène, Stéphanie, Laurence, Christelle, Julie, Sylvie, Patricia et Caroline m'ont fait part de leur désir de s'inscrire. Non, elles m'ont fait part, elles se sont inscrites. Donc, il reste 5 places pour l'immersion naître de soi, pour n'être que soi. Du coup, je vais faire un modèle simplifié, je ne vais pas faire un tunnel, tatitata, un message privé, un mail, ça marche aussi, pour me dire, je suis intéressée, j'ai des questions. Pour peut-être simplement valider, parce que tout ton cerveau va s'agiter d'un coup. Tu veux peut-être juste que je t'aide à prendre une décision, quelle qu'elle soit. J'ai envie d'y aller, mais je ne veux pas y aller. J'ai envie d'y aller, mais je voudrais quelque chose de plus sur mesure. Je fais aussi, je vais faire. Je vais proposer des immersions individuelles. C'est comme tu veux, c'est comme tu choisis. Ici et maintenant, je ne vois pas de questions. Aziza, j'ai vu que tu avais levé la main avant que ça me coupe. Alors, j'aurais une question par rapport au travail, malgré un bilan de compétences. Je ne trouve pas l'endroit où je vibre ou être bien, pourquoi? Ben, en fait, ce qui se joue, c'est que quand on est ici et maintenant et qu'on cherche un travail dans lequel on se sent bien, c'est-à-dire qu'on est dans la… Je prends souvent la liste des jobs à Pôle emploi, là, on fait défiler et on essaie de se projeter en fait dans des espaces et de se dire, alors là, je m'y verrais bien, ouais, mais là, pas là pour telle raison. Et en fait, ça devient assez chiant. Comme boulot, on dit, putain, mais j'ai l'impression que je suis fait pour rien. J'ai déjà essayé plein de choses. Ce qui se passe probablement, c'est que tu regardes cette liste avec l'espace où tu crois que tu es, que tu penses, que tu crois, que tu sais, qu'on t'a dit que, mais pas avec toi à l'intérieur. Et donc, tu es en train de chercher un espace professionnel à l'extérieur de toi, un endroit où tu penses, que tu imagines, que tu pourrais être mieux, que tu pourrais être toi. Le job, c'est d'abord de connecter à qui tu es profondément pour entreprendre ta vie avec qui tu es profondément. Et entreprendre, ce n'est pas forcément créer une entreprise. C'est aussi entreprendre ses relations, entreprendre le salariat, entreprendre ce qu'on veut en fait. C'est entreprendre, c'est ça, c'est prendre en main. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dessiner tes couleurs vers l'extérieur de toi. Il faut que tu saches effectivement ce qui t'anime. Aziza, tu avais levé la petite mine jaune tout à l'heure ou pas? Toi, tu avais peut-être une bêtise, mais que là, tu te dis, ça va faire chou blanc, c'est pas le moment, c'est ça? Non, tu avais un truc sérieux à nous dire? Je peux passer en vocal? Oui, vas-y, bien sûr. Non, moi, je voulais juste, franchement, je voulais te remercier pour ce live. Tu m'as régalé du début à la fin, franchement. Il était juste fabuleux et je pense que je vais le garder sous le coude et me le repasser plusieurs fois parce que waouh. Merci Aziza, merci beaucoup. Est-ce que je peux aussi partager du coup en retour ce que ça me fait là à chaud comme ça? Vas-y. Ok. T'as cherché, t'as dit oui. Hein. Vas-y. Je t'admire Aziza. Je t'admire et je te félicite. Ici et maintenant, tu viens de prendre la parole pour t'exprimer de toi, de qui tu es, de ce qui te fait vibrer devant des personnes que tu ne connais pas, en live, en direct, alors que tu as levé la main il y a 5 minutes avant la coupure et que je te reprends comme ça au passage et que tu assumes d'être pleinement cette femme qui a ça à partager. Quand tu sais que l'enregistrement
l'enregistrement, il y a 126 personnes derrière qui attendent pour le regarder. Et qu'il y a un an et demi, quand on s'est rencontrés, à peine tu peinais à sortir de chez toi et à accueillir le fait que je voulais te prendre la main pour t'embarquer à mes côtés. Et que tu as fait tout ce trajet entre faire du stop, prendre le bus, pour me rejoindre dans cette salle où tu n'avais pas été dans une salle, dans un groupe, depuis si longtemps. Et que tu étais terrorisée à l'idée de ce qui pouvait se passer et on ne s'est plus jamais lâché la main. Et ici et maintenant, mais je suis tellement fière que tu sois redevenue toi. Merci infiniment, Aziza. Je sais, c'est ouais, voilà. Il n'est pas pour rien. Non, mais oui, voilà. Je le prends bien. Non, mais ça y est, j'ai arrêté de chialer tout le temps. Mais tu peux chialer de bonheur aussi des fois. Mais ça aussi, c'est nouveau. Et Aziza, je force le trait parce qu'accueillir des signes de reconnaissance juste, ben, des fois, on les entend, mais ça ne descend pas. Alors, j'insiste, j'appuie. T'es sûre, t'as bien entendu là ce que je t'ai dit. J'ai très bien entendu. Voilà, sans concession, mais avec bienveillance. Pas de questions, mais quel plaisir cette soirée avec toi, mais moi aussi. Ouais, tu vois, bravo Aziza. Même les filles, elles te félicitent. C'est génial. Ouais, c'était un joli moment. J'ai beaucoup aimé. J'attends encore quelques minutes, quelques secondes. Si vous avez envie de partager, d'ouvrir le micro comme Aziza, vous pouvez lever la petite mimine. Ouais, et Pat, je te sentais chaud bouillante. Je sentais que tu avais envie d'ouvrir le micro. Allez, vas-y, viens, ma belle. Et coucou, ma belle. Ah, super live. On s'est régalé. On fire, c'était trop, trop bien. Si, moi, je vais poser une petite question qui est toute bête. Ben moi, j'ai fait pas mal de retraites avec toi. Voilà, où j'ai commencé à éplucher pas mal l'oignon. Hein, ça commence à piquer, hein, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. On arrive au meilleur moment, là, le cœur. Là, c'est bien. Et ma question, c'est dans le sujet n'être de soi pour n'être que soi. C'est que j'ai pas mal bossé, pas mal avancé, etc. Et je me dis, est-ce que, mais je sais que tu vas me répondre que oui, hein, est-ce que tu penses que... Attends, pause. Ouais, là, je suis là-haut. Ouais. Je redescende. Ouais, est-ce que fabrique c'est... la question à ta boîte à mots. Ouais. Et avant de me poser la question, pose-toi la question à toi. Ouais, est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va, la réponse? Ouais, oui. Est-ce que tu as besoin de me poser la question? Non. Est-ce que tu te sens frustrée de ne pas me poser la question? Ça me frustre, ouais. Ouais, un petit peu, ça me frustre. J'avoue. Bon, allez, parce que tu me poses là ta question. Ouais, mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive à l'immersion, je me dis, ouais, je vais super bien et tout, ouais, mais j'ai rien à bosser. Puis en fait, quand je repars, ben, j'ai pleuré 3 kilos de larmes et puis je me sens tellement plus légère et c'est trop bien. Ben, je me dis, est-ce qu'il y a encore des kilos de larmes à verser et puis encore des trucs à déposer, à éplucher. Et donc, quand tu poses la question, ça dit quoi? Ben, bien sûr, c'est sûr. Du coup, quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu crois que je peux te dire de différent ou de plus que ta propre réponse à toi-même? Rien, c'est juste parce que j'avais envie de papoter avec toi. Bon, allez, je coupe mon micro. Et se sent libre de venir qui veut. Après, c'est comme moi avec Jeanne que tu connais. Tu m'as rejoint aussi en immersion à côté de Jeanne. Et, parce que c'est ça dans mon espace, c'est qu'au départ, voilà, je suis coach, j'ai des clientes. Et puis, il y a des fois des trucs qui se passent. Et j'étais allée boire un café chez Aziza. Et puis, il y a des filles qui m'ont rejoint en immersion avec une de mes coaches. Et puis, je vais partir avec Patricia en impro-théâtre cet été. Parce que maintenant, on part même en vacances ensemble, parce que cette ligne qui te dit, alors si tu es coach, tu es dans ta posture et tu ne peux pas être ami avec tes clients. Oui, enfin, à un moment donné, quand on commence à travailler, on sent qu'on sait plus qui va accompagner, qui on a le droit d'être ami et de faire ce qu'on veut. Ceci dit,
si tu viens dans mon espace pour te faire une amie avec moi et croire que comme ça, je vais être en mode 24-24 sur ton Messenger pour répondre à toutes tes questions, tu te trompes aussi. En vrai, j'ai une vie, en fait. En vrai, j'ai une vie. En vrai, j'ai des enfants. En vrai, j'aime respirer, méditer, marcher. En vrai, j'aime autre chose que mon téléphone, même si c'est mon meilleur ami, parce que c'est mes photos, c'est mon travail, c'est mes notes, c'est ma tête, c'est mon agenda. Mais en vrai, et mes amis le savent très bien, hein. Mais mes amis vraiment dans le cœur, ils savent que je suis l'amie du monde qui donne le moins de nouvelles au monde. C'est juste un fait, c'est comme ça. Christelle, oui, moi aussi, je suis heureuse de te rejoindre enfin. Il a fallu que je déménage à 600 km de là où j'ai habité à côté de chez toi pendant 17 ans pour que tu décides de rejoindre un de mes parcours et je trouve ça merveilleux. Merci infiniment d'être parmi celles qui seront là. Je suis de retour. Très pénible cette connexion. Je crois qu'elle m'indique que c'est l'heure d'aller au lit, que c'est l'heure de vous quitter, que c'est l'heure de vous embrasser, que c'est l'heure de vous remercier. Et je regarde dans le chat si effectivement il y avait des messages, mais je n'ai plus l'ancien chat. Donc s'il y avait des messages et des questions, je ne les ai plus non plus. Tout va bien. Tout est magique, tout est juste et parfait. Je pense que c'est tout good pour vous. Faites-moi un pouce si c'est tout good pour vous, ça ira plus vite que le chat. J'aime bien les pouces. Ça me fait penser à Super Mario Kart. Et moi, je me sens un peu au taquet de l'énergie. Genre, vous avez été mes étoiles de la journée. J'ai pas eu d'emmerde, genre. Et en fait, j'ai bouffé que des étoiles. Et je suis comme Super Mario qui a bouffé que des étoiles. Donc là, je sais pas comment je vais faire pour aller faire dodo. Je vais peut-être travailler ou lire ou aller marcher dans mon jardin. Je vais aller promener mon petit chien, par exemple. Allez, je vois que c'est tout good pour vous dans le chat. J'arrête mes bêtises. Je vous dis à tout bientôt et je réponds à vos messages au plus vite. Je vous embrasse et je vous aime très fort.